Ah non, t'inquiète, ça commence pour ce à... jeu dire, dans du 2 coup, je l'avais minutes. lancé il y a déjà 3 minutes, et je Logiquement. sais pas pourquoi ça s'est pas lancé, ce Ouais. n'est pas grave. Non, mais tu vois, comme les heures chez moi, elles Faire un sont pas jeu. les mêmes qu'en France, Ah qui bah est oui, 2 heures de logiquement. décalage, j'ai eu un Ouais. petit peu peur. Ouais, tu m'étonnes. Pourquoi il y a un token là au milieu? Ouais, c'est moi. Lol, il a pas le droit de se mettre, hein? Ah, Hein? Non, Ça fait c'est longtemps que j'ai interdit. pas fait un petit JDR là. Je mets mes Alors, la pieds à mort mer. du ciel. Hop. Alors moi Wait, je that's regardais. illegal. Je regardais du coup 5 points de destin. la rediff du JDR que j'avais fait il y a 2 ans. Ah, moi, mon perso, je me rappelle plus trop bien. C'était Dio, ouais, mais par contre, je me souviens plus trop ce qu'il peut. Un Bah fichier? tu peux aller check ta fiche en soi, ouais. T'as le temps. Ouais, je sais, mais bon, je vais devoir avant rentrer dans le truc, quoi. Allez. Konodioda! Konodioda! Ho Oh. You're approaching me, ho. Jojo. Konoyaro! S'en peut plus. Contrôle du temps T2 Il y en a et un. voler. C'est vrai que maintenant je peux voler Faiblesse comme glace. je veux avec ma gravité tier 5. Maître des arts martiaux. Inventaire, trois couteaux de lancer et un pistolet. D'accord. Putain, c'est ce que j'oublie à chaque fois, moi. Genre, les autres, ils récupèrent genre des armes et tout. Moi, jamais je prends. C'est En quoi le même temps, pistolet? Non, moi je l'ai juste eu avec, je sais pas, j'avais pris des points ou un truc comme ça, c'était un truc comme ça, C'est ouais. quoi le nom du Ouais, perso mais du en coup? fait, tu peux récupérer des armes que Attends, tu prends il me sur des reste plus corps. 8 PV. Et j'ai plus que 8 PV là. J'ai 8 PV, c'est tout. C'est pas beaucoup, On a tous 8 hein. PV quand on démarre. Non, moi Système j'ai commencé à fort. 18. Bon, j'en ai 14 maintenant parce que j'ai un bras en moins, mais. Adresse 12, intelligence 12, charisme de 10, d'accord. Eh, mais n'empêche, quand j'aurai vecteur tier 5, je remonterai à 16 PV. C'est quoi le nom du perso de Vilad sur C'est Yuji. Ryuji? Yuji. Y-U-G-I-I. J-I, pardon. Yuji, ok, Ça bah c'est fait longtemps qu'on l'a pas vu, tiens. Ouais, je sais. Alors, un point de Parfait. destin et 7 points de destin s'il meurt. Et c'est un location d'assassin. C'est. Et on est d'ailleurs pour les points de destin, en fait, vous les pinguez quand même, c'est parti ou pas du tout? Alors, on aimerait bien les ping les points de destin au final dans un channel. Le problème, il nous faudrait un channel par Sirius ou Tiff, faut voir. Il faudrait qu'il nous fasse enfin notre channel. Parce que c'est vrai que moi, bah, vous aviez dit que vous en aviez fait déjà plusieurs, mais moi, j'étais jamais au courant, du coup, je savais pas quand ça se passait. Moi, j'en ai fait un en tout là depuis quelques jours. J'attendais justement un deuxième. Bah, j'ai posé une demande à Sirius du coup. Ouais, au pire, on Ouais. fait, tu fais ton Ouais. propre serveur, hein, au pire. Au pire, tu m'envoies un petit MP. Ouais, moi aussi, parce que j'aimerais bien augmenter mon perso de plus vite. Et les points de Parce destin, que je regarde pas très c'est souvent super utile en plus. et le planning. Voilà, on a trois services de plus. Non, deux services de plus. Du coup, on est tous là ou il manque encore des gens? Ouais. On va avoir Evan McCarnis Yo. qui va passer la barre des 300, ça va être génial. C'est beau. C'est fin de la mission. Evan McCarnis explose. Ensuite, il va y avoir McCarnis en PLS dans son QG. Alors, fais voir le ranking des super-héros. Oh, attends, je suis combienième? 1, 2, 3, 4, 5, Normalement, t'es dans 6, les 7, super méchants, non? 8, 9, 10, 11, 12. Je suis 12e. C'est bien. Je suis 12e sur 17. C'est vrai Mais bon, il n'y a que que. 20 points de différence entre le dernier et moi. Mais n'empêche, ça fait du bien parce qu'avant, on était vraiment très très peu de super méchants, genre. Mais moi, j'aime bien être super méchant. Super Parce qu'avant, méchant. en fait, si tu veux proportionnellement, en fait, il y avait deux fois moins de. Deux Ouais. voire trois fois moins de super méchants.
Il y a beaucoup de mercenaires. Tiens, non, je peux regarder. Non, il a Eh, pas en regardé. fait, il y a. Eh, je viens de remarquer, en fait, le token, il est à la place de la tête du gain invisible. Ouais, ce que Oui, j'ai vu aussi. j'ai fait exprès de le mettre là. C'est marrant. Il a un tout petit torse qui sort de son cou avec une petite tête toute C'est ça. tricotée. Allez, garçon, En fait, tu vois. si le mec il est invisible, c'est parce qu'il est tout petit en fait. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que ça passe mieux avec la tête de McCarnice. Il a pas de Il a une toute petite tête, mais. Alors... Non, c'est chelou. Comment on fait les jetons? Tu prends ta fiche et tu la glisses. Tu la glisses sur le Mais jeu. comment tu... Okay. Oh, Comment tu c'est... la modifies? Oh, Il y a un il est super vachement méchant bien, qui s'appelle le perso. une test. Alors, je viens de renvoyer une demande à Sirius, du coup. C'est mal que je sois en deux fois. Alors, on a qui McCartney, c'est le last, toi, elle, qu'il est là. Il nous manque plus que Faking. Ouais, il y a tous les tokens là, il en manque plus Général qu'un. Il manque le token, mien. safe city. Yes. C'est le Il manque token mon de fiche token. vierge, non? Ouais, mais je Ouais, crois que j'ai jamais fait j'avoue, il y a le de. token de fiche vierge. Alors, Comment laisse-moi modifier? juste revoir combien de. L'homme inconnu. Je suis dans la Alors. voiture. Hop. Yeah. Ok, d'accord. J'allais dire pourquoi il y a un tracteur. C'est pas un tracteur, c'est une voiture de Ouais, pompe. j'ai pas C'est un vu venir. C'est une voiture de location Tu là-bas. vois, il y a un tracteur, c'est une voiture de pompe. C'est vrai que c'est. Excusez-moi du retard. T'inquiète Ah, pas de pas. soucis. Salut. Ouais, je rentre même pas dedans. Pour être honnête, je pensais que c'était à 19h, je m'ai lu. Ben, 16h20, alors, ma 19h, il faute. me semble, c'était. Non, même pas. Non, 19h, c'est. c'est durant cette séance-ci. Ah putain! D'accord, Contre, non, il y a un c'est gars, ma il a faute. Mais c'est pas grave littéralement parce pris que je vais devoir finir ce une que place à j'avais à quelqu'un. faire. Enfin, un token. Ok. Faut que je me connecte par contre. Prenez le temps de revérifier vos fiches, voir si toutes vos stats sont bel et bien intégrées. Je rappelle, Okay. durant la campagne, j'ai tué quelqu'un à cause de ça. Il faut savoir que normalement, il aurait survécu, hein, Du coup, il est Bébé. pas mort en fait. Non, il est pas mort, il est dans le coma. Donc du coup, j'ai... Véné! Du coup, il n'a Mais plus de moi, bras. j'ai 8 PV, c'est chaud. Alors du coup, il a survécu, mais il n'a plus de bras, tu vois. On est tous C'est pas grave, il aura deux bras bioniques, puis c'est tout. Il y a Lia qui va venir le voir après. Salut, ça va? Alors, Mais t'as trop n'empêche, de c'est PV, par contre, pété hein, les bras bioniques par contre. Hein. Tu perds des PV, certes. Oh, mais attends, il va avoir. Il avait combien de PV de base? Mais non, mais oui, il en avait. 10. Alors. Mais 10 du coup avec le gadget. Ouais, il en avait 10 avec ce gadget. En fait, Bah du alors, coup par maintenant contre, il en a l'objet de plus l'homme invisible, que. c'est un radar. 2 secondes. Hilorik est interdit maintenant que les gadgets n'apportent des points de vie. Hein? De quoi? Les gadgets peuvent plus apporter de points de vie, ce qui est Attends, logique attends, quand tu as un attends. point. Là, je viens d'entendre un truc important, c'est quoi? Les gadgets ne peuvent plus donner de points de vie. Alors, ils peuvent en rendre pour soigner, mais ils ne peuvent plus te donner des points de vie max supplémentaires. D'accord. Ah, Ah, moi, mais du coup, il faut va se vraiment retrouver avec un PV perso avec bien très pour peu de l'âge. points de vie, en fait. Alors, le problème avec cette histoire, c'est que du coup, le type, il prend n'importe quelle perce armure, t'es baisé. Alors, le truc, c'est que Yes. tous les anciens items faits avant cette règle sont gardés. Donc, si vous avez des items qui donnaient des points de vie max supplémentaires à la base avant cette règle, vous pouvez les garder. Attends, j'aurais dû me Mais faire ça. les nouveaux ne peuvent plus créer d'objets comme ça. Et du coup, est-ce qu'on peut Ah faire un shit, système qui a je plus comptais en créer un. et qui te reste sur la peau, tu vois? De quoi, j'ai pas entendu. On peut faire un gadget qui a son propre pool de points de vie et qui les prend à ta place et qui reste sur la peau. Ouais, c'est comme ça que fonctionnent les champs de force. Les champs de Ça, force ont leur c'est. Ouais. propre pool de points de vie. D'accord. Genre, par exemple, la protection de trop de vitesse, c'était ça. 4 qui se régénèrent. D'accord. La couronne sans faille. Non, mais pour ceux qui sont méchants, écoutez, je prépare le truc avec trop de vitesse, hein. Il y a une campagne en cours. Enfin, en cours de fabrication. Méchant. C'est pratique en plus, il aurait kiffé la map. Tiens, ben, je vous laisse ma carte d'informaticien. Voilà. Ingénieur Putain, informaticien. ça va pas se lancer. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon relevin qui déconne un peu beaucoup. Et en fait, quand vous passez la carte dite d'informaticien au rayon UV, en fait, ça déploie Inordination, notre groupe. Et je fais de la pub pour un groupe. Ok, j'arrête. Bon, allez, vas-y, je mets mon token moi aussi. Je vais te Ouais, manger. bien, vous en faites pas. Hey, il est petit Normalement, mon token! on aura bientôt, j'espère, un channel pour les héros Lucan. Et là, vous pourrez faire la pub pour vos groupes. On va créer un salon Enfin! coach.
On va créer un salon groupe in-game et vous allez pouvoir dire une seule fois le message. Oh, putain, je vais me faire une image de 144 pixels par 20 qu'on fout sur les coins de trucs YouTube et hot là. Et je vais me faire une pub dégueulasse en gif. J'imagine bien le truc. Surtout que, honnêtement, vu le futur sombre que va avoir ton personnage, je sais pas si ça vaut le coup de rejoindre ton groupe. Alors, le groupe est complètement indépendant. Voilà. Vous êtes affilié à McCarnies, bah on va aussi vous traquer. Mmh. Merde. Wait, ah merde. Alors, je préviens, lorsqu'il y a une prime sur la tête de quelqu'un, exécutons-le. Genre, il n'est pas demandé de tuer ses alliés, c'est juste la personne. Ah, ça va. Bon, tu me tues, je reviens, voilà, pas de soucis, on est quitte. Eh oh, c'est encore moi. Bon, ah, je suis là. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, oui, je suis toujours vivant, j'ai failli crever. Mmh. Mais je suis toujours vivant. Regarde, c'est théoriquement immortel. On est combien? Ouais, théoriquement. Pourquoi Gio, il a un token spécial aussi? J'ai des projets, mon cher, des projets. Des projets qui ont été beaucoup de fois recalés par les MJ, mais il a fini par réussir à passer. Salut. Il doit faire quelle taille le truc là? Oh, yes, moi je compte arrêter le temps pour toujours. Tu vois, j'avais des projets, mais le problème c'est que mes projets ils sont super coûteux. Du coup, bah, j'ai fait autre chose à côté en attendant. Bah, moi j'ai des projets de Dio, c'est-à-dire arrêter le monde pour toujours. Ah, c'est bien ça. Comme ça, je suis tranquille. Bon, bah, je vais aller chercher les chips et je vais regarder ça depuis mon satellite. T'as ce guise qui est assis à côté de toi. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est une idée. Hein. Mmh, ah, oui, moi c'est même, tout faire péter. Bah moi je vais arrêter le temps. Je vais tenter de lui faire la voix un peu de fou. Non, fais-lui sa voix bien grave, bien. Ça fait un gros décalage avec ce. Non mais ça c'est quand il a peur. Quand il a peur, il est d'un coup il passe du mec. Je vais tout faire péter. À l'aide, aidez-moi. J'aime pas le noir. Je vais tout faire péter. Je vais tout faire exploser. Et là, t'as trop de vitesse qui rejoint, qui fait « Nous allons tout faire péter !»« Nous allons tout faire péter !»« Exploser le monde, nous allons faire !»« Je vais vous mettre sur la tout le monde pour la merde patrie !» Il y en a qui n'ont pas leur token de fini, je crois. Alors toi, tu vas prendre un avion et tu vas t'écraser sur la tour Eiffel. Qui n'a pas fini son token? Bah regarde sur la page principale. « Prêt, nous allons tous mourir !» Moi, je sais pas comment faire. Token. Il y a une image qui est placée comme ça. C'est à qui cette image là? Celui-là, ça c'est moi. C'est qui moi? C'est Stoalk. Ah, on n'avait pas fini le tien? Non, on l'avait pas fait. Il est tout petit ton jeu quand même. C'est triste. En tout cas, là, on est on est assis tranquille, tu vois, dans les nuages. Oh, par contre, c'est en pied. Non. Au secours. Pourquoi c'est en pied? À l'aide. Calme. Voilà. Mais regarde le nombre de pieds qu'il y a. Moi je m'en fous, maintenant je peux me propulser avec mes explosions. Soal, tu as deux fois ta fiche, c'est quoi ce bordel? Ouais, je sais où on va. Maintenant je peux créer des explosions à partir de mes mains, c'est drôle. Je peux donner des super patates. Mais du coup, oh putain, en effaçant ta fiche, elle est effacée les deux fiches. Ah non, hein. Ah bah si. C'est un bug. Qui est assez commun. Du coup, j'ai plus rien là. J'ai encore ta fiche ouverte sur le côté, t'inquiète. Ok. Du coup, je la refais vite fait. tout à côté sur un TXT au cas où. Ça arrive. Waouh, pourquoi il y a plein de tokens de la même personne? Ça s'appelle des clones. Attends, il a pris. Autour là-dessus. Oh, il a pris clonage. Non, même pas. Même pas du tout. Non, moi, ce que j'ai pris, c'est super vitesse téléportation. Voilà. Et ça, c'est l'équipe. Moi, c'est voler et arrêt du temps. Moi, c'est faire péter. Tout faire péter. Non, mais littéralement, mon pouvoir, c'est vraiment son seul et unique pouvoir. Attention, c'est aussi un tireur d'élite, un génie, un gymnaste. Il est menaçant, il est riche.
Oui, j'ai pris un pouvoir et j'ai mis le reste dans les traits. Il nous manque. Est-ce que Poulidor un masque qui me transforme en vampire, lol. Je suis mon propre larbin. C'est pas une référence. Oh, putain, trop d'élan, mon gars. Je suis un mini maxeur. J'arrête. Mini maxeur, faut que t'arrêtes. Mais non, mais. Attends, moi aussi, je vais mettre. J'ai failli rattraper trop de vitesse avec trop d'élan. Oui, oui. Mais non, mais c'est des images résiduelles en fait. J'ai pas compris. Après tout, ils sont affiliés, quoi. Je veux dire. Alors, toi, tu as super vitesse. Puis ensuite, il y a le niveau au-dessus. Il y a lui. Lui, il va les images rémanentes. Je vois même plus, tu vois. C'est, il a jamais été là. Par contre, toi, tu es mort. Bah lui, il claque des doigts, il fait ici. Si, j'étais dans un univers où tu n'existais pas. Moi, je claque des doigts, j'arrête le temps. Lol. Cool, hein. Bon, arrêtez avec les tokens, arrêtez. Stop là, stop. Je sais pas comment on les enlève, yes. Tu les sélectionnes et tu les backspace, tu vois le truc. Ah, dommage, je peux pas poser le satellite. Si je posais le satellite, on se retrouve. Je vais les enlever un par un. Sinon, il y a un petit marché. Si vous avez encore des points de destin, les gens. De quoi? Excarnis. Bien sûr que si, il y a un petit marché. Mais tu veux une baffe? Propose d'un nerf d'Excarnis. S'il n'a plus le trait génie, il ne peut plus rien faire. C'est une idée. Oh là, c'est quoi tous ces. C'est quoi, tu très bien. Hein. La première occasion, tu vas perdre ton trait génie. Tu vas devenir. Non, mais imagine. Tu vas vraiment pouvoir faire. Imagine, il se flash lui-même et il oublie qu'il est un génie. Bon, on commence. Arrête, il a déjà flashé lui-même. Affiche, mon gars. Il s'est déjà flashé lui-même. Ah, c'est con. Dio va se mettre à l'envers. Il marche sur les mains. Il va faire comme les battes hier. Tu vois, sur son crâne. Au moment, il va devenir chaud. Vie pour un point de destin, c'est cool ça. Je vais le frapper. Hein. Il essaye vraiment de. Excarnis. Une location d'assassin pour 3 points. Location camion pour 1 point. Location d'assassin pour 1 point. Je vais te manger. Je vais te manger. Je vais te goumer là. Je vais te prendre. J'ai vite te casser la tête à coups de machette comme une noix de coco. 5 points, ça lui coûterait un point de destin à tirer ça. Non mais eux, ils ne peuvent pas l'utiliser, ils doivent payer pour l'utiliser, c'est le principe. Je sais. Tesgui, il te regarde puis il fait un tir. Pourquoi avoir un tir de rayon apocalyptique quand tu peux tout faire péter toi-même? Mais là, ça fonctionne pas dans... ça fonctionne pas en intérieur malheureusement ce tir. C'est prévu qu'on le fasse en extérieur, non, enfin, dans l'intérieur bientôt. Comment tu veux faire ça en intérieur? C'est simple, tu pètes le toit. Nabil. Mais tu sais que moi je dois préparer un. Moi de mon côté, faut que je fasse un gadget de... Moi, ouais, faut que je monte. Ce sera pas une fois par séance. Absolument là. Alors, du coup, c'est toi que je pense que j'ai refini ta fiche. Ouais. Ok, marche. Parfait. Je mets juste. Oh là, je suis en plein de vidéo en même temps. Je suis dans un tournoi, je suis dans un niveau. C'est trop pour moi. C'est bon. Donc plus qu'à faire ton token et j'ai terminé. Vous êtes revivu. Vous êtes revivu. Ah. T'inquiète pas, j'ai presque terminé. Donc plus qu'à mettre le token de. On aurait pu faire un Nexus Beat. C'est vrai. J'ai combien de points de destin moi? Oh, par contre, en vrai, ceux des années d'avant, ils étaient meilleurs, hein, moi je trouve. Je sais pas, je les ai pas connus. Lol. Ah. Non, parce que là, maman, j'ai combien de points de destin, c'est cool ça. Ishpin est un nouveau joueur. J'ai combien de points de destin?
Il fallait les noter. Ah oui. Oh, dommage, j'avais oublié de les noter, mais je crois que je me rappelle, j'en avais au moins 100 que j'avais pas encore mis, quoi. Enfin... Ah, moi j'en avais 3000. Dommage. C'est con, il y a eu comme un reset du système, vous les perdez tous du coup. Et d'ailleurs, vous perdez tous vos gadgets aussi. Zut. Oh, là, ça, et en plus, vous perdez votre pouvoir. Quel machin. Alors, les seuls qui gardent leurs gadgets, c'est Skiz en fait, parce qu'il les a fait tout péter, mais du coup, ils sont revenus, tu vois. Non, mais allô, quoi, s'il vous plaît, à l'aide. Non, en vrai, je crois que j'en avais un ou deux. Moi, je sais que j'en avais au moins zéro. Au moins zéro, j'en avais. Ça gratte. Moi, j'en avais au moins un. Bah si t'as pas marqué que moi je que le MJ peut pas te dire, t'en as pas. Oh zut, c'est con. Allez le noter. Voilà. Wow. Ah tu l'aurais dit, c'est moi le facile. Ouh, elle est grosse la map. Oh, et alors. Oh, elle est grosse. Oh non, il y a un gros. Oh, il est grossophobe. Il y a un gros. Oh merde. Non, non, il y a deux gros. Putain, il y a des gros partout là. Oh, il y a des gros. Merde. Il y a des gros. Ils vont nous manger. Je vous laisse vous poser à l'intérieur du bâtiment. Inside. Parfait. À l'intérieur du bâtiment, on se pose. Vas-y, je... ouais. On se met où à la cafette? Il y a une cafette par là. Bon, allez, venez. On... Dans la cafette, c'est le numéro. Il n'y a pas de cafette. Mais où? Il y a le trio magique qui est regroupé. Il te regarde, en fait, il a un Glock 18 un peu peint en jaune, tu vois. Son Glock Gold. C'est la fausse Sacha, en fait. T'avais Sacha qui était vraiment un jiggle plaqueur. Là, c'est un vieux Glock peint en jaune, tu sais. On se souvient tous comment il a fini, celui-là. Sacha! J'ai juste vous réduire votre taille du coup. Putain. J'ai dû sortir. Par contre, il y a plusieurs Assassin's Creed. C'est pas des assassins, c'est des larbins. C'est des assassins. Il change la taille des tokens. Ne bougez plus, les mains sur la tête. Allez, il change la tête. Pas de résistance, n'essayez pas de... Attention, il se passe des choses ce soir. On va prendre tous les tokens et on va les mettre bien évidemment beaucoup plus petits. Ah non, j'avais cru que c'était moi le plus gros pour l'instant, mais bon. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu perdus, je rappelle ce qui se passait. Vous étiez déjà en cours de mission et vous savez pas d'où ça venait, mais quelqu'un vous a tiré dessus. Depuis l'extérieur, apparemment. Ah, il est faible, il a raté. C'est quoi ça? C'est un balcon? C'est un genre de bureau avec des vitres? C'est quoi? On est où exactement? Ça va être très lourd les voice musicians. Ouais. Ah non, on est 6. Donc ça fait beaucoup. Déjà que j'ai du mal à reconnaître la voix de qui est qui, donc bon. Exact. Moi je connais personne, jamais fait de JDR, donc je suis un peu perdu quoi. Voilà. Donc. Vous aviez accompli une mission sans problème, vous n'avez pas eu de soucis, personne ne s'est pris de tir, apparemment les gardes étaient assez ennemis. Mais lorsque vous avez terminé, l'un de vous s'était fait tirer dessus, il n'avait pas pris de dégâts, la balle s'était planté dans le mur à côté de lui. Mmh. Retournant, vous ne voyez rien à l'extérieur à part des véhicules qui avaient tout des tacs sur eux qui venaient de se garer. Par contre, je vais juste un peu monter ton ton. Les gars, je crois que c'est une balle. C'est possible de présenter un peu le perso de tout le monde ou c'est moi je physiquement, personne. Vous pouvez vous présenter les uns aux autres. Ok. Bah, moi, je suis quand sur mon token. Allez. Genre les pouvoirs et tout, quoi. Pouvoir, vous n'êtes pas obligé de dire c'est quoi votre pouvoir. On l'a démontré dans la mission d'avant, donc en soi, on peut dire les pouvoirs. Enfin, ceux qu'on aurait pu utiliser. Moi, je vais commencer... Alors, Skiz, c'est un raton laveur, un peu, un très gros raton laveur, genre de la taille d'un gamin de 12 ans, tu vois, 1m50, une merde comme ça. Il a un énorme dentier, genre vraiment un sourire très malaisant. Et il adore les explosions, et du coup, il fait tout péter. Ok, bon, bah, moi, Dio, je vais continuer, hein. Alors, c'est un blond, tu vois, il a des habits chelous.
et il arrête le temps et il vole. C'est court, concis. Énorme. Il est en train de faire une constellation en fait. Là. Vas-y, Xcarnis. Fais-nous la démonstration de ton merveilleux personnage. Xcarnis. Nous sommes trop bien. Xcarnis. Quoi? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, arrête. Stop. Ouais, je comprends. T'as encore ton vieux... Non, par contre... C'est mieux, là? Oui, là, c'est mieux. Ah merde, il est actif. Oh putain. Pourquoi c'est moi qui me centre là? Elle a eu ri. Bon, je disais, nous sommes troubles. Personne. Ah, tu coupes pour moi, perso. Donc, il y a... Ouais. Oh non, tu recommences à bugger. Ça coupe. Oh, ça va pas cher. Mais on va non, tu coupes. Ça coupe, sale. Allô. 1, 2. Oui, oui, là. Joyeux Noël. Non, voilà. C'est mieux ou pas? Je sais plus, moi. Je comprends. Oui, oui, c'est mieux, là. Ah, c'est bon, là, c'est bon. J'en ai marre, moi. Parfait. Donc, il y a un patron cliché mafioso, c'est un gros lard avec des cigares. Il y a une infirmière louche avec une seringue énorme. Okay. Il y a un espion chelou, mais vous ne le savez pas parce qu'il se change d'apparence et il est un petit peu chelou. Il y a un sniper qui est toujours en costume gay, genre une licorne, un chanteur de pop, une cornille du genre. Et il y a Bleu, bah, c'est une meuf avec un katana et puis voilà, c'est elle. Puis moi, bah, je suis juste un type normal avec des lunettes de soleil et voilà, démerdez-vous. Et des guns. De temps en temps. Donc ouais, je vais continuer. Donc Siv, alors Siv, c'est une personne assez grande, d'environ 1m90. Il est assez fin et la chose la plus particulière chez lui, c'est qu'il porte toujours des vêtements traditionnels de samouraï japonais. Et vous remarquez aussi qu'il porte un masque, donc vous ne remarquez pas son visage, à part ses yeux violets qui ressortent particulièrement. Son masque d'ailleurs, c'est un masque de Oni. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un masque de démon en fait, tout simplement. D'accord. D'accord. Et il porte un énorme nodachi sur son épaule. Et des sandales. T'as oublié les sandales, c'est très important les sandales. Non, non, il porte pas de sandales lui, il porte des bottes. Des bottes, ah ouais, des bottes. Ah oui, d'accord, tu brises tout le... Oui, oui, non, mais c'est plus confortable en ville de porter des bottes. Quand même, le confort, c'est important. Mon perso, on le surnomme Doppler, parce que c'est un métamorphe en fait, il est issu d'une famille tribale en Russie. C'est un personnage très peu civilisé, il est masqué. Et c'est à peu près tout, j'ai pas plus développé mon perso que ça. D'accord. Bah, bon, c'est juste qu'il a l'air d'un sauvage, quoi, en fait. C'est un animal un peu, c'est pas quelqu'un de très civilisé, ouais. Tout sauvage. Pardon. Bah, du coup, je vais finir, hein, j'imagine. Alors, moi, c'est Céritas. Je fais un simple 1m80. Je suis pas très musclé du haut du corps, mais mes jambes me permettent d'aller à une vitesse folle. Et je peux me téléporter quoi aussi, sympathique quoi, voilà. Comme ça. Et donc t'as bien l'armure que tu as sur le token ou... Ah oui, bon c'est juste une armure plus aérodynamique quoi, voilà c'est tout, c'est juste pour pouvoir courir vite, mais vous voyez pas mon visage et vous savez pas qui je suis, c'est juste l'héritage pour vous. Il dit pas, il parlait de l'existence. Je suis trop fort. Donc là en fait on a un Joseph. Miguel Ndayo. Donc... On a une balle qui s'est plantée dans le mur. Donc, le véhicule est arrivé. Il faudrait aller investiguer.
Ouais, c'est pas forcément une balle, mais ça peut être plusieurs balles qui s'est... Qui s'est on a un déluge de balles. Ouais. On s'est fait tirer dessus, quoi. Ils ont raté parce qu'ils sont... Vous êtes fait tirer dessus, mais ils ont raté à cause des vitres. On va dire à cause des vitres. Ils voyaient pas très clair à cause des reflets. D'accord. C'est mauvais tireur. Alors, moi, personnellement, les gars, j'ai vu vite fait, là, j'ai l'impression que cet endroit est un peu truffé de caméras. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur grâce aux caméras? Je peux essayer. Ça dépend ce que le MJ m'a dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caméras. Tu peux essayer, t'inquiète pas, ok, t'as pas de problème. Surtout que j'ai pas besoin d'ordi portable, maintenant j'ai des lentilles avec HUD intégré. C'est un des 20. C'est un des 100, putain. Un des 20. Eh ben c'est un échec. Tout pile. Quoique, c'est un échec? Eh ben j'ai 16 d'intelligence. Ah, gars. Triste. J'essaye, mais tu n'arrives pas à décrypter le mot de passe. Apparemment, il a l'air d'être très 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 bien fait. Il essaie de pirater les caméras. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui donnent à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a qui donnent vers l'extérieur déjà? Ouais, il y en a quelques-unes. Bah moi aussi, je vais essayer de pirater avec l'outil de piratage à distance. Lol. Vas-y. Il y a celle-là, par exemple. Et ça passe. Vous savez pourquoi je me fais chier à essayer de pirater? C'est vrai que moi aussi j'ai un outil de piratage. Merde. Du coup, ça passe. Celle-là, il y a celle-là. Il y en a pas qu'est-ce que je vois, grosso modo? Et il y en a une. À l'extérieur, tu vois des gens dans des costumes assez étranges. Ils ont... c'est des costumes qui sont assez brutales. Tu vois que plusieurs d'entre eux ont les mêmes costumes, donc tu supposes que ça doit être un groupe. Et deux d'entre eux ont des costumes un peu plus sophistiqués, un peu plus ouverts, donc qui laissent ouvert sur le torse. Et qu'ils ont l'air plus costauds, bien plus costauds. Ils font genre bien trois têtes de plus que leurs autres compagnons. Mais ils sont fous! Ah! Ouais. Non, j'arrive pas à la faire. Bon, dehors, il y a des mecs. Est-ce que je sais combien ils sont? Ou il y en a qui sont cachés, par exemple? Tu en vois 8. Bon. Attends, avec Et grâce à la caméra, tu en vois un peu plus loin. Tu en vois un qui dépasse la tête du bâtiment par là. Il y a un bâtiment en face, hein, il dépasse sa tête de par là-bas. Attendez, laissez-moi juste faire de lui. Voilà. Ça a l'air d'être lui qui vous a tiré dessus. D'accord. Bon. Je vois 8 mecs dehors. Et j'aperçois un mec un peu au loin. C'est difficile à dire avec les caméras. Ils nous attendent sûrement. Ouais. J'imagine, vu que leur tir n'a pas conclu. Tout le monde va bien? Personne n'est blessé, j'ai l'impression. Non, bien. Ça va, personnellement. Oh, moi, j'ai que 8 PV, mais bon, voilà. Oui, mais c'est pas une blessure, ça. Non, j'ai 8 PV max. Ça s'appelle avoir des points de vie normaux. Ah, mais oui. Moi, je vais totalement bien. Je n'ai que 8 PV sur 8 PV, donc ça veut dire 100% de vie. Oui, bon, il faudrait qu'un jour j'augmente mes PV parce que. Il y a des gens, ils peuvent faire genre, je sais pas, 4 dégâts, 5 dégâts. Comment? Et de coup, je suis mort. Non, mais il n'y a pas de PVP. Hein. Sinon, le PVP, c'est trop cool. Mon perso, je crois qu'il peut faire du 20 et quelques. Ne comparons pas les dégâts, sinon je ramène trop d'élan et trop de vitesse. Non, mais trop de vitesse, oh. Alors là. En vous mettant bref. On commence à rusher l'endroit. Bref, faites-moi juste déjà vos jets d'initiative. Il y a une commande pour ça, il me semble. Ouais. Hashtag. Sélectionnez votre token avant de faire le jet. Vous sélectionnez votre token, vous faites hashtag et vous avez init. Pardon ? Putain, j'avais fait 17, je fais 16. Merde. Je suis pas des bons jets. Yes, énorme, ça marche pas. Incroyable. Aussi, quand tu fais une tip. Théo, t'as pas sélectionné ton truc. Ah, ouais, mince. Faut faire hashtag init. En sélectionnant votre token. En sélectionnant votre token. Je sais même pas comment faire un hashtag sur PC, c'est con ça. Alt-GR3. Ouais, mais moi je suis en QWERTY. Ah. Shift-Alt, Alt-GR3. Shift, Alt. Oh non, il y a Alice. Merde. Et il a coupé son casque.
Et il est de retour. Qu'est-ce qu'il... Ah, j'ai trouvé. Pour nous jouer un mauvais tour. CTRL Alt. Et qui galère 2 heures à faire. Alt 3. Il y en a un qui a fait 1. Il a gâché une réussite. Fait 8, mais... Le chanceux, quoi. Tout simplement. Tu arrives à le faire, ton jet ? Init. J'espère que tu l'as sélectionné, toi. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah bah, c'est encore mieux. Ça change rien. Comme d'habitude. C'est un bon honneur, attendez que vous êtes les super. Bon, pas les super gentils, mais les super tout court. Quand soudainement tout le monde mourut. Ah merde. Nous on garde toutes nos actions pour quand ils vont commencer à procéder et à agir. Donc vous pouvez y aller les autres. Mm-hmm. L'espion a pris l'apparence d'un gras de papier. Il y a l'infirmière qui tire avec un seringue en otage. Il y a le sniper qui est préparé à la porte ici dès qu'elle s'ouvre le tir. Et puis elle qui se met sur l'entrée secondaire au cas où. Avec Evan qui est derrière au cas où. Pour passer là et tirer au shotgun si c'est la merde. Ok. Voilà. Donc ils se sont mis en position, mais ils attendent qu'ils rentrent dans le bâtiment pour les prendre quoi. Donc pour toi, ce sera tout. C'est bien ouais. Ça ouais, okay. On attend. J'agirai quand ils agiront. Alors notre cher nouveau joueur, c'est l'Erika. C'est moi. Moi personnellement, vu qu'on m'a dit qu'il y en avait 8, bah du coup je vais aller vers le sud, genre par là, pour checker ce qui se passe. Voilà. Je vais checker ce qui se passe. Quoi. Okay. Mmh. Territa, tu as super vitesse en pied, oui. Vous pouvez parcourir 60. 30 du coup x 2 pour lui. Ouais, donc 60 pieds. Ça passe. Comment je fais les flèches là? Tu, en haut à gauche, tu as une petite règle avec un rond et en fait tu maintiens le clic. Alors tu cliques sur ça et tu maintiens le clic. En haut à droite. À gauche, pardon. Je confonds ma droite et ma gauche. Une petite règle. Ah oui, no snapping. Ouais, ok, c'est bon. J'ai... Ah merci. De nada. Ah bon, je peux mettre ça là, parfait. Voilà. C'est tout, donc je veux juste après checker ce qui se passe s'il n'y a pas plus d'ennemis. Voilà. Alors, via les portes en verre, tu n'aperçois personne. D'accord, ok. Tour de Dio. Bah, je sais pas quoi faire. Ouais, je pense que je vais aller genre. Non, par contre, les musiques, s'il te plaît. C'est toi qui les joues. Je peux mettre ça sur le côté, parfait. Je pense que je vais aller là. Ici. Et rester au cas où. Juste. Mais tu vois l'infirmière qui tient en otage un civil, enfin. Apparemment un civil, parce que. T'as peut-être vu l'espion ouais. De l'apparence civile. Et moi, je suis en mode je reste ici au cas où. Ou voilà. Plutôt là même. Tu vois là. Là, c'est mieux. Laisse-moi juste mettre le recon d'armes. T'es en plein milieu de la ligne de mire du sniper qui te gueule, bouge un peu ou alors vous la porte dès que tu les vois arriver. Ah oui, là plutôt, ouais. Voilà. Bouge ton cul du camp. bouge ta caisse, t'es garé en plein milieu. Autour de Steve maintenant. Donc, moi ce que je vais faire, attends. Perso ici. Un perso ici. Je vais aller porter. Donc je vais aller jusqu'ici, il me semble. Je crois que c'est ma limite pour ce tour. Bah, c'est 30 pieds, donc si tu n'as pas super vitesse, ça sera ta limite de 30 pieds. Donc je peux même aller jusqu'au bout du couloir. Hein. Je vais aller rejoindre mon compère. Parce que je me dis que seul pour protéger une porte, ça me paraît léger. Ce sera tout pour mon tour, du coup. Ok.
Ok, donc autour de Stoalik maintenant. Comment on fait là pour afficher les pieds, vous avez dit ? C'est avec la En haut à gauche, tu as une règle avec un rond, tu cliques sur ça et ensuite tu maintiens le clic gauche quand tu le sélectionnes. Le quatrième truc en partant du haut. Ouais, et bon, si tu veux faire des coins, faut mettre la règle des coins. Parce que là, du coup, ici, là, ça, là, c'est quoi exactement ? C'est quoi ? Là, 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 où je. Ça. Grac ? Je sais pas. Sur le parking, non ? Alors, ah, bah, non, ça, parking, ou ça, ou ça. Où est-ce que tu pointes ? La vitre. Là, là. C'est un genre vitre. De guichet avec plein de vitres, je pense. Oui, okay, c'est un guichet avec plein de vitres. Ouais, ça doit être ça. Genre, t'arrives ici, tu vois, c'est l'accueil et t'as plein de gens qui t'accueillent au guichet. Attends, c'est coup, quoi exactement est... le bâtiment là ? Ouais, ce que j'avais demandé. Je comprends pas, moi. Il y a une banque parce que du coup, ça, je me dis que ici, c'est un coffre. C'est écrit en bas à droite. C'est un centre de. C'est une institution de finance. Donc un centre j'ai de... regardé déjà toutes les pièces, moi. Tu vois, il y a des centres de finance. Tu vois, il y a Security Office, Security Room et tout. Ouais, ici, le safe, c'est le coffre-fort, hein. Juste oui. Là. 14. Non mais là, si on se fait attaquer, contre, ils vont nous foncer dessus. 25 et 22, je les vois pas. Ça, ils, doivent, ils doivent être en bas. Basement, dans le sous-sol. Ok. Là. Ah oui, elles sont là. C'est à... enfin, moi, l'accès. Du coup, je vais juste me cacher derrière le guichet, vu que du coup, j'ai été apeuré par les balles, on va dire. Tu es un chat. C'est ça. Oh oui, un chat. Non, 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 Vogel. Miaou. Si vraiment il a des gènes de chat, je l'approche pas. Miaou. Je vais te coller à ta jambe. Je peux le déplacer comme je veux. Hein. S'il s'approche de moi, je le renvoie à l'autre bout de la pièce. Elle était toujours dans la même pièce que lui. Elle était dans la merde. Oui, je peux l'envoyer dans une autre pièce. C'est ce que tu fais, du coup. Il réfléchit. Très bien. Non, pour l'instant, je vais attendre derrière le guichet. Je vais voir ce qui se passe parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment. On n'a pas plus d'informations que ça en fait. D'accord. Oh, j'ai envie de tous vous. J'ai envie de bouger l'action. Autour de ce guise, vas-y. J'ai envie que ça bouge un peu. Bah écoute, c'est ce que je voulais faire, puis ensuite je me suis dit, oh, ils ont quand même mis quelque chose en place, je vais pas... Est-ce qu'il y a des vitres de péter ou faut les péter, c'est merde. Les vitres de tu vas les péter toi-même. Ouais. Tu peux les péter, elles sont pas très résistantes ici. Alors, deux secondes... En fait, c'est Bakugo, hein. Je peux les péter. En fait, c'est Bakugo, le gars. Bonjour. Boum. Petite explosion dans la paume de ma main. Boum, je pète la vitre. C'est bon. Bah, c'est littéralement Bakugo en fait. Mais quoi ? T'inquiète pas, Bakugo. C'est pas... Tu pètes la vitre. Oh, c'est la version améliorée de Bakugo. Là par contre, je vais ouais, tenter ouais, de faire péter le mur. Parce que... Là il faudra parce plus de dégâts pour péter un mur. Bah 3d4, hein, en espérant. C'est une porte, pourquoi tu pètes minimum... le mur ? Il te faut minimum 6 pour le faire péter. Bon, c'est peut-être pas Bakugo à la fin de l'année, en fait. J'ai envie que ça bouge. Écoutez. Ouais, moi, je pourrais dire que lui, en fait, c'est pas Bakugo à la fin de l'année. 1, 2, 3. Tu fais le mieux et tu peux sortir. Non, je sors pas, parce que du coup, là, je sais qu'ils vont attendre. C'est juste pour les faire chier. Je reste à l'intérieur. Avec les JDR. Tu sais, ils entendent le gros. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Rien. Pas ça. Je mine trop le truc. Ok, donc Zgiz a agi. On va passer autour des méchants, enfin des ennemis plutôt. Pour les ennemis, Macanis, côté de ton personnage qui prend quelqu'un en otage, le sniper va lui tirer dessus. Mm-hmm. Donc là, on va voir déjà le. Tu es sur l'otage. Ouais, pourquoi? Non, il n'y a eu rien comme ça. Il touche. Mm-hmm. Je regarde encore une fois ses stats. Ouais, il touche. Voyons voir lequel de deux il va toucher au final. Pourquoi je fais 2d20 ? C'est un d2 que je dois faire, putain.
1, c'est l'otage, 2, c'est ton... la personne qui a le flingue. Elle a pas un flingue, elle a une seringue en adamantium, mais tout va bien. Ok, mais elle va reculer. Elle se prend 5 points de dégâts. Très bien, elle recule en mode prise d'otage. Alors qu'elle s'est fait tirer dessus. Elle le traîne à l'intérieur. Toujours dans sa situation théâtrale. Allez, au secours. L'Oscar, meilleur acteur, revient à... Alors, autour des... On va passer à ceux en haut-dessus à gauche. Sguiz. Oui. Les trois mecs qui sont au-dessus vont rush vers le mur qui a explosé. Bonjour. Eh, lui, il y en a un, il a fait 35 feet, hein, j'ai vu. Ah, mais si tu avais regardé leur fiche bien avant... Je regarde pas leur fiche, je vais pas me spoiler pour une fois. Ils ont quelque chose qui leur permet de parcourir plus de feet. Donc ils vont te tirer sur les pieds, tu vois. Ils vont te tirer tous les trois dessus. Je refuse. Ils tirent tous les trois. Laisse-y. Vas-y avec avec un malus de 2. Je fais une explosion sur le côté, c'est wouhou. Tout le mur est pété ici. Du coup, faut combien de dégâts pour propulser l'entrée. Pour te propulser, ça prendra que 4 de dégâts, mais, étant donné que tu veux esquiver, ça c'est compte comme une esquive, il te faut un jet d'adresse quand même. Avec un malus de 2, étant donné qu'ils sont 3 tirés dessus. Alors, dans tous les cas, 1. Dans tous les cas, c'est une réussite critique. Donc, au moment où tu exploses ce côté-là pour t'éjecter, tu exploses un gros pan du mur et il y a un gros débris qui s'éjecte sur eux. C'est du fait exprès, les gars! Leur infligeant 3 points de dégâts uniquement aux deux à gauche. Wouhou! Ouais, mais du coup, c'est des dégâts irréductibles. Ouais. Yes! De manière, voilà. Ils sont toujours debout. Bah, Evan, il réagit, hein. Il en profite. Non, c'est au tour des méchants. Ah, mais j'ai dit qu'ils attendaient pour agir. Hein. Ah, ok, tu te mettais en sentinelle, toi, ok. Ah, bah, il a foiré son tir de shotgun, malheureusement. Ah, quoique, 16, c'est un... Non, c'est un échec. Qui a... Ça ne reste pas un tel. Est-ce que quelqu'un est encore connecté aux caméras ou pas? Moi, théoriquement. Théoriquement. C'est-à-dire, je les regarde pas, mais c'est toujours connecté. Ok. Ceux qui sont près des caméras, ceux qui ont les caméras en champ de vision, par contre, pas ceux qui sont dos caméras, faites-moi un jet d'intelligence. Ok. Celle-là, elle est pétée, J'en fais moi aussi ou... Non. Okay. Enfin, étant donné que t'as pété le mur ici, je considère que la caméra elle était détruite. Celle-là, oui, mais il y en a une autre ici. Moi, du coup, je suis dos à une caméra. Donc c'est... Est-ce que t'es face à cette caméra ou est-ce que t'es dos à elle? Ah, laquelle? À celle-là? Est-ce que moi, Gio, je le fais? Bah, je suis en face parce que je me suis pété là, du coup, je fais wouhou, tu vois. Ok, donc tu peux faire un jeu d'intel. Yay. Yay. Alors, pour ceux qui ont réussi, vous voyez que les caméras clignotent un petit coup et puis s'éteignent. Oh. Chier. Il semble avoir déconnecté les caméras. Les petits malins. Non, non, tu restes là où tu es, 7. 7. Il ressemble à 7. À vous, il ressemble à 7. Il peut s'être à le mur là. Non, il y a des fenêtres. Ah, d'accord, ok. Ah non, c'est pas 7, c'est putain. Ça vient de. Comment il s'appelle cet animé? Kill la Kill. Ah voilà, Kill la Kill. Kill la Gamagori? Je sais pas lequel c'est lui. Non, celui-là, oh là, c'est celui qui maîtrise l'art du katana et qui se crève les yeux même pour arriver à un. C'est tout l'inverse. Lui, c'est ah pas merde, qui... comment. Celui qui est là, c'est celui qui est masochiste. Attends, non, mais moi je parlais de celui d'en bas, pas de celui d'en haut. C'est le même. C'est Veritas. Oui. C'est le même. Tu ne l'aperçois pas, mais. T'es sûr que c'est le. Ah oui, il ressemble un peu au gars au katana, mais il y a aussi une petite fusion avec Gamagori, le gros là. Alors, le mec n'a pas du tout ce costume là déjà pour commencer. Putain, non, il n'a pas ce costume, c'est vrai. Celui qui fini. La personne qui a ce costume là, c'est l'ami de la ouais. quand elle a ses gants box. Voilà, exactement. Ah oui, oui. C'est l'héritage du coup. Tu entends un coup de feu
et étant donné que tu as super vitesse, tu as le temps d'apercevoir une balle qui arrive à toi, vers toi à toute allure. Tu éviter deux trolls partout. Tu as le droit à un jet d'esquive avec un malus de 6, 4 dû à un petit quelque chose de la personne qui a tiré dessus, et un malus de 2 parce que l'attaque t'a pris par surprise. Alors, ah. 1 des 20, mais de toute façon, c'est par l'adresse, c'est ça, on est d'accord? Adresse, voilà. C'est le seul. Ah ah bon, bah, tu te prends 10 de dégâts. Échec critique. Alors, tu pensais pouvoir avant, d'avancer, de te réfugier un peu plus loin pour pouvoir avoir du temps pour l'atteindre. Chose est que, en ouvrant la porte et en avançant, tu t'es pris la balle de plein fouet dans l'épaule. Double dégâts, non, je ne compte pas double dégâts quand tu fais un échec critique à l'esquive, pour ma part. Uniquement si l'ennemi fait une réussite critique. Oh, pas drôle. Aïe. Attends, c'est l'héritage, du coup. C'est l'héritage. Tu as 8 PV ? Oh, tu te prends 8 dégâts. Non, il s'en prend 6. Ah, oh, s'il te plaît. Putain, super quoi. T'inquiète pas, hein, les super vitesses, c'est faible. La chose est que du coup, tu es un genou au sol, dos au mur, et à ta gauche, tu entends une porte qui s'ouvre. Enfin, à ta droite. Non, non. Ah, bah non, bah yes. Heureusement que je suis venu vers toi, hein. Cette personne a droit à une attaque d'opportunité. Sur Watch out, it's got a gun. Qui est cette personne? C'est Gaara ou quoi? Frère, c'est Gaara en mode... 7. Tu as droit à nouveau en à mode blue. Avec un malus de 4 dû à l'échec critique. TP back, ma gueule. Aux dégâts subis. TP back. Slash en fait, TP. C'est Gaara ou l'eau. Ah, réussite, c'est possible. Arrête les références. Stop. Je suis réussi. Tu arrives à l'esquiver au dernier moment. Donc tu te décales un peu sur le côté, s'il te plaît. Attends. C'est important parce que tu vas te refaire shooter. Pas, je peux pas te bouger. Je peux pas te bouger, en fait. Bon. On reprend le... Au lieu d'avoir les flèches, prends le curseur en gauche. Ouais. Exact. Non, je peux pas toujours pas le sélectionner. Ah si, c'est bon. T'es sûr que c'est une bonne idée de sortir? Non, je peux pas le bouger, hein. Prends la flèche. Mais j'ai la flèche. Regarde, tu cliques. Le curseur, sélectionner, déplacer, tu peux pas? Et pas la vue panoramique, pas la main. Tu as la petite règle en bleu ou tu as la petite souris en bleu? J'ai la souris là, mais ça, je peux pas, j'y arrive pas. Ok, alors c'est les droits du MJ qu'il faut qu'il te réattribue. Ok, c'est un problème ça, parce que... Attends, donc, contrôlé par... Ah, mais non, mais c'est juste que la map, elle bug avec. Du coup, je pouvais pas exactement le prendre comme je le voulais. Bon, c'est bon, je me suis décalé, voilà. Excusez-moi. Ok. Est-ce que j'ai fini le tour de tout cela? Ouais. Autour de McCarnice, du coup. Bon, mais c'est l'heure de contre-attaquer. C'est la contre-attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? On va essayer de lancer les nanobots ouvriers pour piquer le flingue d'un des bâtards, là. Celui-là, là. Ok. Donc, je suppose que t'as pas besoin de jet ni rien. Besoin de jet d'intelligence à chaque coup. Ah, nickel. Histoire de nerf un peu le truc. Donc, du coup, t'as combien d'intel? À 16, donc ça passe. 16. Est-ce que ces nanomodes forment une nuée ou alors est-ce qu'ils ne sont pas visibles? C'est genre, tu vois, un petit peu voilà, une sorte de gaz parce que ça c'est trop rikiki pour être visible. Donc si c'est une forme de ça gaz... Ça décompose chaque élément de la matière du flingue et ça leur compose proche de moi ou dans ma main, littéralement, alors, si elle est libre. Si c'est une forme de gaz, ils auront le droit à un jet d'esquive sur ce truc. Ok. Mais c'est pas où c'est l'arme. Ils vont souffler dessus. C'est ça. Mais pourquoi ça part pas ce truc? Décomposer les lèvres en fait, tu vois. Tu les lances en même temps ou sur une personne? Non, c'est que sur une cible à la fois. Hein, je vais pas. Ok. Il veut l'arme. Alors, celui sur lequel tu l'as lancé va se décaler, tenter d'esquiver le nuage. Mm-hmm. Mais ils savent pas ce que c'est, donc ils s'en méfient. Ils sont un peu cons. C'était déguidé en fait. C'est genre, c'est pas un laser. Et ils savent pas eux. Hein? Bah oui. Il est con. Il va se faire voler son arme. En tous les cas, même si c'est pas eux que... Enfin, c'est pas lui que ça visait, c'était son flingue. Même, genre, ça se dirige vers lui. Genre, comment il peut savoir que ça se dirige vers son flingue, s'il te plaît? Je sais pas. Bah oui. C'est ça que je te dis, il y a la boîte qui continue leur boulot, il déconstruit. Dans tous les cas, tant que j'ai réussi, en fait, ça marche. Ouais. Bah, autour de tes deux larbins.
Donc, il est désarmé ou il est toujours armé, je comprends pas. Pour l'instant, ça va prendre un peu plus de temps. Il n'aura pas le temps de tirer. Il sera juste désarmé au moment où il va tirer. Mais pour l'instant, il n'est pas désarmé. CC, il est en train d'essayer de piger ce qui se passe. Bon, mais elle. On va pas trop s'emmerder. Mais pas assez fait. Boum le mur. Non, elle va pas faire boum le mur, elle va faire boum le monsieur. Ah oui, elle a des couilles. Une énorme paire de couilles. Oh, attends, c'est qui ça? C'est bleu. Lèche-moi les couilles. Comment ça se fait qu'il est là? On est dans le même groupe. Ouais, et on n'est pas dans le même groupe, mais on est le même personnage en fait. Le même personnage. Oui. C'est un de ses larbins. C'est un larbin. Oui. On est tous les deux le larbin de l'autre en fait. Donc il a huit stats partout. Non. Donc il n'a pas le droit de le jouer. Ah, moi on m'a jamais dit que c'était impossible. Non, je n'autorise pas. Tu peux jouer s'il est présent normalement, c'est qu'Apric participe, mais tu n'as pas le droit de le prendre. C'est comme si je disais que je prendrais Faikin avec l'IA parce qu'il est dans le même groupe que moi et qu'on peut le travailler l'un avec l'autre, tu vois. Attention. On se partage les fiches perso. Tu peux regarder, on a tous les deux les droits sur la même fiche. D'accord, c'était très bien, mais vous n'avez pas le droit de jouer avec le personnage de l'autre. Alors, je lui mets 8 partout. Bah non, parce que c'est un PJ. C'est un personnage joueur, tu n'as pas le droit de jouer avec lui tout court. Dans ce cas-là, fallait être un peu plus précis la dernière fois. C'est avec Ilori que tu as parlé de ça. Non, j'en ai parlé aux deux. On est trois. Alors, t'avais parlé avec moi, j'étais en mode, je sais pas. Du coup, comme la fiche était en train d'être créée, que t'étais en mode ouais, bon, bah du coup, tu me donnes ça, j'étais en mode bon, bah ils ont dû valider les autres. Ouais, bon, ça n'a pas été validé très bien, bah je la dépop alors. Bah ouais, ben du coup, il n'est pas autorisé à être là, c'est deux personnages assurés, c'est non. Bah du coup, Snipe is décale, il tire. Qui c'est qui a l'air vivant là-dedans? Tous. Ils ont tous les deux l'air vivants. Il tire sur le premier là, est-ce qu'il a sa tête exposée ou pas? Ils ont tous les deux leur tête exposée. Bon, bah, ils visent sur le premier. Hein. Balabim. Ça passe, ils ont droit à un jet d'esquive. Esquive la balle. D'accord. C'est parce qu'ils voient qu'il commence à tirer. Ouais, c'est vrai, c'est un sniper, c'est lent, de toute manière, je vais pas. C'est une réussite. Ok. Le sniper. Pas craindre, je veux dire, même les supers qui n'ont pas super vitesse ont le droit d'esquiver, donc bon. Comme il a toujours. Hop. Un peu de déplacement, il déplace. Evan, pareil, il va se foutre derrière le mur. Les deux trolls, bah, ils se préparent aussi à frapper au corps à corps s'ils s'approchent. Les deux trolls. Bah, les trolls, parce qu'il n'y a pas d'icône pour l'arme au corps à corps, du coup, bah, j'ai foutu une troll face. Voilà. Ouais, mais il n'aura pas encore celle-ci. Il fera comme des trolls. J'ai une technique infaillible hein, pour que l'ennemi il puisse pas esquiver. Je soulève son corps par gravité, ensuite je le slash. Tu sais, la dernière fois que trop de vitesse, on lui a fait ça, il a esquivé en l'air. Oui, mais toi, t'as super vitesse. Comment t'as fait? C'est qui t'a permis d'esquiver en l'air? Ilorik, j'étais en l'air contre un mec qui donnait un coup de poing. J'ai fait acrobatie, en gros. Quand il donne le coup de poing, je me suis appuyé dessus pour passer au-dessus. Oui, mais sans contact. Je veux dire, sans contact, tu peux pas. Peut-être. Je vais tellement vite, j'attrape la lame, je m'appuie, du coup je fais une esquive. Là à ce moment-là, oui. Ou alors je me fais exploser. Est là. Le blessé se fait le déploiement des drones mis. McCarney, tu peux demander à Ilorik directement pour bleu. Bah ouais, mais bon. Gravité ne l'affectait plus. Ouais, putain, c'est chaud. Bleu et Evan sont sur la même fiche, entre guillemets. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser le perso de comme un larbin? Il est gros, lui, hein. Mais apparemment, il a dit que c'est un larbin que tu as créé, non. C'est un peu godlike, du coup, super vitesse, en vrai. Non, il faut juste être très imaginatif, tu peux faire plein de trucs. Voilà. Très bien. C'est pas hyper... En fait, avec tous les pouvoirs, tu peux faire plein de trucs. Genre, avec explosion, tu peux prendre un caillou et faire transformer ça en grenade. Oui, non, et... c'est juste... Avec la métamorphose, je viens de lire le pouvoir, ça a l'air cool, hein. Donc, genre défier les lois de gravité avec la super. Non, est-ce que ton tour est terminé? C'est autre chose. Est-ce que t'as bien entendu? Donc, si jamais sur cette mission. Mais j'ai pas bien entendu parce qu'il y a tout le monde qui parle en même temps. Désolé. Donc il a déployé ses drones médicaux histoire de se soigner. C'est pour ça qu'il récupère un point de vie. Il va en gagner jusqu'à 5 tours. Écoute. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai fini.
Tour de Celeritas. Donc du coup, Celeritas était en mauvaise posture à cause du sniper et d'un personnage qui a apparu à ta droite. Que fais-tu? Bah, je tente de m'enfuir. Attends, ouais, j'arrive toujours pas. Alors, j'essaye de remonter là pour justement remonter ce que j'ai entendu qui venait avec moi. Vu que je suis blessé, j'imagine que j'ai un malus, mais j'essaie de m'enfuir pour reculer. Si tu prends un bon angle, tu peux utiliser ton pouvoir de TP. Bah, vu que je suis déjà passé, normalement je peux me TP, hein, de toute façon. Ouais, tu peux TP, mais ça nécessite une intelligence. Oui. Bah, go, vas-y. Hein. Fais un jet dentelle. Je me TP. T'as combien en dentelle ? J'ai 12. Ouais, ça va être chaud. Ah. Bah, si tu rates juste que tu fais pas, tu pourras toujours bouger après. Hein. Ouais, oui, c'est ça. C'est juste que tu bougeras manuellement. Ouais. Ok. Mais fais un D12, enfin un D20 du coup. Un D12, allez, réussite assurée. Un D12, c'est une réussite. Ah bah non, de toute façon, c'est bon, c'est ok, t'as réussi. Okay. Je me TP et je cours, quoi, en gros. Je me barre parce que je suis dans la merde. Voilà. Go fast. Il a vu le mec partir devant, il revient 6 secondes plus tard, il est en sang, la balle, l'épaule déboîtée, tout, il fait... Il court dans le corps et là tu vois t'as le mur qui est ouvert, t'as tous les gens qui te tirent la gueule. Ouais, genre vraiment je suis en train de m'enfuir quoi, vraiment parce que là... Tu vois tu fais courir et tu vois un chat et un raton laveur et tu as deux types derrière là, nous. Là t'es en mode très go fast, c'est ça. Tu as fait quoi? Non t'étais en mode avec la musique là, de drift. Oh, déjà vous, I just been on the space before, higher on the street. Voilà. Initial D, les gars, initial D. Oui, initial D, t'inquiète, j'ai regardé tout. Mais j'aurais plutôt dit Running in the 19th. This is a new way you like to be. Et du coup, je m'arrête à côté de mon collègue, vu que je passe juste à côté, en mode, il faut qu'on se casse. On est DG Epic Games. Du coup, moi, je le regarde et je le fais, laisse faire les professionnels. Tu peux t'enfuir si tu veux. Viens. Bah, disons que je vais pas rester avec deux PV devant un mec qui, bah, la justement... Partie Europe, juste non, mais non, mais... Siv n'est pas très social, ni empathique. C'est le tour de Dio. Bon, que faire qu'est-ce que je vais faire, moi? Montre tes muscles. Aïe, 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 aïe. Il va avoir peur, le gars. Non, en vrai, je sais pas quoi faire. Hein. Elle fait un truc. Ah, oui, faut que je fasse un truc. Ce serait bien que tu fasses un truc. Genre, je sais pas, là, par exemple, il y a un sniper, là. J'ai vu. T'as un pouvoir, genre, qui arrête le temps. Je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ouais. Bon, moi, je vais faire exploser la tête du sniper. Je peux arrêter le temps, je vais faire à côté de lui et lui donner 4 coups, tu vois. 4 coups de pied, moi. Temps de quoi tu cours? C'est bien ça, non? J'arrête le temps. Ouais. Je vais à côté de lui. Et je le tape 4 fois. Déjà, j'ai une intelligence pour arrêter. Parce que je suis un maître des arts martiaux. J'ai un tel pour ton pouvoir. J'ai un tel pour ton pouvoir. Tu lui fais manger ses morts. Tel... 20. Oh, ce serait trop drôle. Ah, c'est pas gentil ça. T'as le temps, il s'accélère autour de toi, il se fait tirer, tu te Ok, ça passe. Que ça passe. Après, tu vas prendre un tour pour monter dans le bâtiment parce que j'ai bel et bien dit qu'il était sur un bâtiment en face. Ah, mais oui. Mais tu peux rejoindre le bâtiment, du coup. Il peut arriver à l'entrée du bâtiment, mais ça prendra un tour en plus pour monter tout en haut. Mais du coup, il peut, en fait. Ouais, du coup, bah, je vais le taper. Ah, mais oui, vu qu'il a arrêté le temps pour arriver jusque là-bas, ah, du coup, il a le droit de monter en plus. Très bien, donc tu arrives en haut, tu as le droit de le taper. 4 fois. T'as dû manger, c'est mort. 4 des 20, boum.
Oh, oh, il passe dans la tête. Alors, Issou. Bah, il y en a très peu qui passent. Tu as très peu. Bah, il y en a aucun qui passe en fait. Sûr. Attends. Il y en a un qui passe. C'est moi, putain. Il y en a un qui passe parce que c'est de l'adresse. Du coup, tu avec ta main des arts martiaux. Il y en a un qui passe. C'est le droit d'esquiver celui qui passe. Il esquive celui qui passe. Selon les conséquences du vin, selon les conséquences, c'est vrai. Donc tu tentes de l'attaquer, tu le rates. Tu tentes d'attaquer une deuxième fois, il aura droit à un jet d'opportunité avec. Il a arrêté le temps. Non, il a arrêté le temps pour. Il a arrêté le temps pour aller au bâtiment. Il n'a pas arrêté le temps pour monter au bâtiment. Oui, oui. Mais il l'a pas vu venir vu que lui il vise vers l'extérieur. Mais il y a une porte derrière lui. S'il te plaît, genre pour arriver sur la toiture d'un bâtiment, il faut ouvrir une porte. Ah bah oui, c'est vrai. À partir de là, oui. Tu vois, c'est un gros sagouin, il a oublié de fermer la porte. C'est un gros sagouin, il a oublié de fermer la porte, tu vois, il a rien fermé. Et même, genre, je veux dire, le premier jet est un échec, donc de toute manière, il a vu le coup de poing qu'il a raté, quoi. Franchement, t'es pas très imaginatif, il est sur le toit et a fait un vin, bon, il se casse la gueule, quoi. Voilà. S'il tombe du bâtiment, genre 2 à 3 étages, ça va lui faire bien mal, quoi. Ah. Par contre, moi, clairement, j'aurais été duo en vrai. J'aurais fait une petite discrétion et ensuite, moi, au lieu de le frapper, je l'aurais poussé dans le vide. Sur un 1, il y a un gars, il prend trop cher. Sur un 20, bon, il a un droit à un jet d'opportunité. Franchement, c'est écrit. je viens de dire, le sniper a droit à un jet d'opportunité, mais il n'y a personne qui écoute. Bah oui, justement, c'est ce que je dis. Le sniper a droit à un jet d'opportunité sur le 20. Bah oui, c'est ce que je dis. Oui. Sur un 1, t'as un mec, il est instant KO. C'était à cause de la tourelle, la tourelle faisait genre. Elle est très bien à partir. Là, les enjeux sont les mêmes. Il est coincé sur un endroit. Enfin, il est au bord d'un toit. Bon, il a fait un vin, il se casse la gueule. Hein. C'est pas pareil, tu peux pas comparer un système de défense à un échec critique. D'ailleurs, en plus, c'était une réussite critique face à un échec critique. Bah oui. Donc, c'est juste, il va se bouffer une attaque d'opportunité. Faible. Allez, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un sniper. Bah, il va lui mettre un coup de crosse dans la gueule. Bon, vas-y, fais un sniper, vas-y. Ça va être drôle. 19, mais en plus, il le rate. Putain de merde. Yes. Ça aurait été plus drôle qu'il casse les gueules. Mais sinon, il n'y a aucun des deux qui se touche. Des génies, ils se regardent et ils se frappent, mais ils ratent. Combat d'infirme. Moi, j'aurais été duo, mais bon, là... Je peux pas le faire. J'aurais volé, activé mon pouvoir, jeté 3 couteaux dans sa gueule. Oui, mais il fallait y réfléchir avant. Voilà. Oui, bah non, bah je peux pas activer de pouvoir, non. En même temps. Bah, moi je le fais. Hein. T'as le droit de demander, en fait. Genre, y a rien qui t'en empêche d'activer, de voler, de d'arrêter le son. C'est juste que ça te prend 2 jets d'intelligence en fait. C'est juste ça. En fait. Non, voler, arrête. Voler, enfin, un jet d'intel. C'est un jet d'intel en voler. Non, c'est pas un jet d'intel, c'est un jet d'adresse, il me semble. Attends, voler, jet d'adresse. Oui, voler, c'est adresse. Bah, normalement, on a dit maintenant que tous les pouvoirs nécessitaient un jet, quel qu'il soit, donc bon. Tous les pouvoirs nécessitent un jet. Bah, toi, il va y avoir des exceptions. C'est pour ça que Explosion, par exemple, a des jets de dégâts maintenant. Oui, oui, non, mais je veux dire, genre, super vitesse, les jets sont là pour l'attaque, mais genre, t'as pas besoin d'un jet d'adresse pour courir, en fait, c'est un peu illogique. Ouais, bon, bah, un vol ne nécessite pas de jet alors. Surtout, bon, ça rajoute des. Tu vas plus vite, quoi. Tu vois, le déplacement ne demande pas de jets, sauf la téléportation, parce que c'est des gros bâtards. Mais. Normal, tu dois te concentrer pour te téléporter. Il y a une différence, tu vois, c'est genre tu téléportes, tu penses, c'est comme contrôler de la température. Alors que courir, c'est genre une action... Tout le monde le fait, sauf que toi, tu le fais plus vite. C'est ça. Et du coup, voler. Mais c'est... c'est vrai que... Tout le monde le fait, mais toi, en fait, tu vas au-dessus du sol, tu vois. Voilà. Personne ne le fait, mais toi, tu le fais naturellement. Exactement. Bon bref, on va arrêter peut-être de. Et surtout que grâce à téléportation, tu peux. Oh putain, fait chier. Juste tes périodes de toutes les situations de merde en fait. Bah ouais, c'est voilà. Ça permet d'esquiver genre tous les types d'attaques, genre une attaque apocalyptique, pas de problème, j'esquive.
grâce à la téléportation. Bah voilà, hop, je suis hors des dégâts alors que les dégâts font un kilomètre de rayon. Je me TP en vacances parce que j'en ai marre. C'est tout pour ça qu'il y a des jeux sur la téléportation. Il se TP à la plage. Genre avec non, vous, mais avec vous, d'ailleurs, il n'y a pas... Majestique de rayon. Il se TP au Bahamas. Une question par contre, TP, ça, genre le rayon d'action, il augmente avec les rangs, j'espère. De quoi la TP? Rayon d'action, je sais pas encore comment il fonctionne le rayon d'action. Bah vraiment, parce que honnêtement, si au. C'est ce que t'as vu en fait, ce que tu te ouais, souviens. Mais imagine si au tir 1, tu peux genre parcourir 100 km. C'est n'importe quoi. Bah, ça s'appelle la téléportation quoi. Bah ouais, mais au tir 1, honnêtement, c'est un peu abusé. Pour moi, c'est une limite RP en fait. C'est-à-dire, moi, je peux pas faire exploser des bombes à plus de 100 mètres, mais c'est une limite RP. C'est parce qu'après, je perds contact. La page là, c'est un bug. Je sais pas encore, c'est pas moi qui ai créé téléportation, c'est Hilary à la toute base qui l'a créé, c'est lui qu'il faut voir. Bref, Moi, je mettrais bien genre dans le champ de vision. Ah non, c'est vrai, Hilary avait dit le champ de vision, mais si c'est sur la mémoire, j'irais genre, c'est pas plus de 1 km. Ah, tu fais un jet d'intelligence pour la mémoire. Hein. Puis ensuite, avec un autre jet d'intelligence. Bref, du coup... Trump envoie une bombe nucléaire, tu te fais en fait, c'est tout. C'est avec cette assive maintenant. Du coup, voyant mon ami qui s'est enfui comme un pleutre, je décide hein, tout simplement de me diriger là où il est. Attends, oui, il y a un problème. Ouais, t'as vu, c'est bizarre, parce que ça, j'ai l'impression que ça bug avec les murs. Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi, j'ai actualisé, là. Ouais, bah, j'actualise, je reviens dans 2 secondes, du coup. Ça me paraît bizarre, ouais, c'était non, chaud. Non, dans 15 secondes au plus. Ouais, moi aussi, Oui, c'est bon, j'ai compris. Enfin, vous m'avez compris. Non, t'as pas compris. Et du coup, mon action sera la suivante. J'arrive à la personne... J'utilise mon pouvoir de gravité pour lui faire quitter le sol et je vais la slasher de 2 coups de katana. De qui tu parles? De lui là. Lui, donc tu le vois en allant. Alors tu sais où il se trouvait de base? Non, mais je suis arrivé ici et normalement je devrais le voir à partir d'ici. Bah, la première chose que tu vois, c'est un sniper au loin qui dépasse la tête des fourrés. Et il va tirer? Bah, il vise surtout. Il me vise. Il te vise. Du coup, Quand tu te tournes à gauche, tu vois le mec, mais bon. Ok, donc là, en fait, je suis pris entre... Bah, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me ruer sur cette personne. Et avec mon pouvoir de gravité, je vais la pousser, tout simplement. Okay. Et ensuite seulement, je vais essayer de la slasher. Fais-moi un jet d'intelligence déjà pour ton sort de pouvoir de gravité. De gravité. Non. Donc tu lui rushes dessus, mais tu n'arrives pas à la pousser. Bah, je vais quand même tenter de lui mettre les 2 coups de katana parce que j'ai pas trop envie de me prendre le tir juste derrière. Vas-y. Donc je vais essayer de forcer quand même de la tuer. Donc je vais faire mes 2 jets de dext. Les 2 passes. Ok, il a le droit à 2 jets d'esquive. 20. Laisse-moi retrouver sa fiche, étonné que j'ai fermé les fiches pour le relancer. Combien d'esquive? Ok. Putain. J'ai déjà dit externiste. Il en réussit un, mais il rate le deuxième. D'accord. Du coup, combien de dégâts? 5. 5 de dégâts. Ok. Se prend 5 de dégâts. Laisse-moi juste voir ton katana parce qu'il y avait quelque chose, il me semble, avec ton katana. Bah, c'est par rapport au point d'armure, mais si la personne porte pas d'armure. Alors, il faut savoir. Alors, ça, c'est une question même aux deux autres MJ. Si par exemple, l'arme fait 6 points de dégâts et 2 points de dégâts de perce armure, est-ce que ça fait 8 points de dégâts ou est-ce que ça reste 6 points de dégâts? 6 points de dégâts, donc 2 perce armure, sauf que son katana a un truc spécial. Ouais. Moi, il fait 5 de dégâts et il y a 3 points d'armure. 2 dégâts plus 3, oui, ok, c'est bon. Donc, du coup, il prend 5 points de dégâts, il ne recule pas, il reste en face de toi. Oh, il est coriace. Auto de Stoelk.
Est-ce que j'ai le droit au rhino ou pas? De quoi? Au rhino. Rhinocéros. En taille, c'est... est-ce que c'est bien plus gros qu'un ours, un rhinocéros? Oui. Et du coup, pourquoi j'ai une flèche sur moi? Est-ce qu'un ours énorme, allongé, ça... c'est aussi gros? C'est gros. Un rhino, c'est très gros. Ouais. Et du coup, qui... okay, pourquoi ouais, non, j'ai une flèche sur moi, les gars? Ouais. Non, mais au début, tu fais des petits animaux, hein, tu sais, genre le loup. Je sais pas. Ouais, ouais, juste. Ah. Non, je veux pas. Ouais. Time Max, c'est un ours, donc si le rhino c'est plus gros, tu n'as pas le droit au rhino. Attends, okay, okay. Je te fais une comparaison. Non, mais le mec il va aller photoshopper. Non. Après, quel ours? Parce qu'un ours polaire, bon. Ça, voilà. C'est. Juste. Et merde. Tu vas faire le tri. Ah, yes. D'accord. Quel type d'ours? Quel type d'ours? Parce qu'un ours polaire, ça peut mesurer jusqu'à 2,4 mètres de vent. Quand je parle d'ours, c'est genre le plus gros ours, c'était les grizzlies, non? Ouais. Non, je crois que c'est l'ours blanc. L'ours blanc, c'est l'ours polaire, ouais. Alors, c'est l'ours polaire. Ouais. Il a le droit à aller jusqu'à l'ours polaire. Alors là, dans ce cas-là, le rhino, ça peut peut-être se faire. Le bah, rhino, ça se fait. Il faut aussi prendre en compte le poids. Hein, oh, le puis merde, je vais le googler. Un rhino, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, regarde, la taille d'un rhino, c'est non, pas là. Non. Un rhino est plus grand qu'un ours blanc. Et puis même, c'est beaucoup plus lourd aussi. Oui, donc tu ne peux pas, désolé. Non. Okay. Une baleine bleue, s'il vous plaît. J'ai un écran blanc, là. T'as une comparaison des tailles ici, si tu veux. Un refresh. Voilà. Donc apparemment, non, mais c'est beaucoup trop grand, et puis voilà. Non, mais un élan, c'est géant, mon. Ouais, élan, c'est... Oh, les élans, c'est un truc de fou. Hein. Non, mais c'est pas la bonne long. Taille, enfin. 1m80 de haut et 2 tonnes. Et un ours? Ça ne fera jamais 2 tonnes, hein, un ours. Hein. Non, ça doit être dans les 800 kilos, une merde comme ça. C'est ce que j'allais dire, 800 kilos. Okay, oh, bah, voyons voir. Ah, hein. Ouais, c'est bon. Ok, le mur ici, là, il est cassé, c'est ça? Ouais. 400 et 600 kilos quand même. Est-ce que c'est-à-dire bon, que si je passe devant, j'ai des risques de me prendre une balle ou un bike? Non, ils sont pas en sentinelle, donc ils ne peuvent pas te tirer dessus si tu passes devant. Ok. Et attends, l'ours dans ce cas... fait 2m4. Merde. Dans ce cas, je peux okay, passer d'accord. Par là. Je peux faire ça. Vas-y. Tu as le droit de passer là. Ok, ok, nice. Ok, et je me transforme. Ouais, bah c'est bon, les ours. Les ouais, dinos, je me transforme en ours. En attendant. Vas-y, transforme. Alors, j'ai l'intelligence. Ah, j'ai pas besoin de faire un jet si, t'as le droit. T'as besoin d'un jet pour transformer. Faut que je mette un slash avant ou pas? Ouais, un slash 1d20. Slash R1d20. Ok, nice. Écoute, tu deviens un ours, donc tu as droit à 4 points de vie supplémentaires et 2 dégâts de direct supplémentaires. Ça marche. Et déjà, cela, je bouge pas, je me prépare. Je peux mettre en mode sentinelle ou ça dépend des... Non, tu viens de te transformer... On peut et pas si faire un point pouvoir. Alors si tu le mets en mode sentinelle avec en forme d'ours, tu ne pourras attaquer qu'au corps à corps, tu pourras pas rush sur l'adversaire. Donc okay. N'oublie pas de te mettre 4 points de vie supplémentaires ainsi que 2 de dégâts supplémentaires. On va passer à Sguise et puis on passera aux méchants, enfin aux ennemis. Je vais te faire péter. Bon bah on va faire un truc tout simple. Hein. Alors faut que je regarde parce que j'ai pas regardé le truc des armes de merde qu'ils ont ajouté. Bon bah juste un pistolet. Bon bah je vais mettre une balle explo et je vais tirer sur lui parce que il m'a mal regardé. Ok. J'ai l'adresse pour tirer, évidemment. Ça passe. Ça passe, donc tu lui tires dessus. Boum. Alors, Hillary et ainsi que ben Fekin, faudra voir pour les tirs parce qu'une personne normale qui peut esquiver une balle, ça a l'air un peu ridicule. Je sais pas ce que vous en dites. Malus pour les armes à feu lorsque tu n'as pas une réaction assez grande. Donc ok, donc il peut esquiver mais il a un malus on va dire de 4. Parce qu'en soi tu vois le mec pointe mais voilà quoi. Est-ce que malus de 4 ça vous dit? Après ça peut-être ça risque de punir un peu trop les types tank tout ça, genre si tu veux parer une arme à feu avec un bouclier, bon. Je sais pas. C'est très situationnel en fait.
Alias, ouais. Qu'en penses-tu? Il écrit. Ah voilà, il y a que le sniper qui doit prendre le temps de tirer, mais je doute qu'un handgun ou un Uzi, le type, il ait le temps d'esquiver, quoi. Surtout. Ouais, non, vu la cadence, non. Si c'est un mec normal, non. On verra ça à une prochaine partie. Ouais, enfin, pour l'instant, on va laisser le jeu d'esquive et après on verra. On remettra la mécanique, enfin on fera la nouvelle mécanique. Du coup, là, je range les esquives, écoute. Ah oh, bah. Opportunité. Opportunité, pas vraiment, hein, il est mort là. Il se prend une balle dans la tête et meurt. Il explose. N'oublie pas les jets de dégâts. Hein. Oui, bah t'as dit qu'il était mort. Ouais, de toute manière, il est mort, mais j'aimerais bien voir s'il explose totalement ou si genre. Il est... Oui. Oui. Ah bah oui. Sa tête, elle explose. En fait, t'as ses deux bras qui sont éclatés vers les côtés et t'as plus que jusqu'au niveau du ventre, en fait, jusqu'au niveau du ventre. Oups, pardon. Je me remets à couvert après, hein. J'ai envie de me faire. Je tiens à dire, ils ont tous des tatouages similaires les uns aux autres. La seule chose, c'est que vous n'avez jamais vu ces tatouages. Alors, il est situé au niveau d'où le tatouage? Alors, bon, pour lui, il n'a plus de tatouage. Voilà, j'allais dire. Sinon, eux, ils ont un tatouage qui monte au niveau de leur cou jusqu'au niveau de la joue droite. Pour ceux au torse, ils ont un tatouage sur tout le torse jusqu'au visage, donc leur visage est tatoué aussi. Et pour les deux derniers, personne ne sait. Ok. Du coup, ça va être autour des méchants. Enfin, des ennemis, pardon. C'est vous les méchants. celui-là, il va se déplacer derrière ce qui était son pote. Ils vont tous les deux se déplacer. Il y en a un seul qui va faire un des 20 pour tirer parce que l'autre, son pistolet est en train de disparaître de ses mains. Il te tire dessus. J'esquive. Tu vas le esquiver pour l'instant, du coup. Bon, je vais juste faire un. Ça passe. Donc tu arrives à te décaler sur le côté. Je pense que c'est pour les sérums de vitesse et les super vitesses. On va autoriser les esquives pour les balles. Si le reste, ça sera un malus de 4, je pense. Ça serait peut-être mieux. Je rappelle quand même, vous êtes des super à la base. Même si vous n'avez pas de pouvoir et que des traits, vous restez un super. Vous avez des réactions, une force et une intelligence supérieures à la moyenne humaine. D'accord. Après donc, 4, je dirais plus 2 ou 3. 4, c'est très pénalisant. Ok, 2. On verra bien. Prochaine partie. Alors, regarde tes stats, t'as 8 points de vie de base. Un être humain de base a 1 point de vie et les policiers en ont 3. On verra bien. T'as pas le droit de te plaindre. Tu perds mieux. On verra bien la prochaine partie. Voilà. Tu vas rentrer à l'intérieur du bâtiment. Bonjour. Vous allez bien? Et il va tenter de te mettre une. Pas une pichenette, mais une grosse tarte sa mère. Pas une pichenette, mais une grosse tarte. Wait. Alors, tu vois qu'il enlève de, entre guillemets, sa cape, mais plutôt du vêtement qui tient à son dos. Genre une grosse batte en acier avec toutes des chaînes et des clous. Vous allez bien? Alors, on peut s'arranger, je vous fais pas péter. Et il va tenter de t'en mettre une grosse. 20. Il va faire un, je vais voir. Voilà. Un des 20. 19. Il te rate, il tape dans le mur, mais tu vois qu'il y a un trou qui a été formé dans le mur et que tout le mur est craquelé. Alors vous faites mal péter les murs, mais on peut s'arranger. Je vous apprends si vous me frappez pas. Alors pour celui qui a son flingue qui s'est désintégré dans ses mains, il va sortir un katana. Steve, pour ta part, celui qui a ton corps à corps va tenter de t'attaquer deux fois avec deux dagues. Oh. C'est pas des dagues. Schlack, schlack. Tu vois que ses mains sont équipées de sortes de griffes. Ok. Très bien. Eh bien, je vais. Tu sais quoi, je vais utiliser les vecteurs pour, pour dévier ses coups. J'ai une intelligence. J'en fais deux du coup. Un seul, il y en a un qui passe. Ah non! Bah, malheureusement, tu as fait un mauvais choix. Bah, du coup, je me le prends. Hein. Bah, ouais, tu te le prends. Ah, c'est là que la nouvelle mécanique va entrer en jeu, le poison. Oh non! Oh non! Ah non, alors.
Quignon. Oh, bon, bah, c'est moi le vrai cobaye en fait dans l'histoire. Ça va être 3D3 pour 3D3 de tour. 3D3 ? 3D3, c'est quelque chose de très dangereux le poison, il faut faire attention. Non, 3D3, tu sais que c'est énorme là par contre niveau dégâts. Mais attends, mais ouais, 3D3, c'est énorme. 1D3, pardon, 1D3. Ouais, j'allais dire, mais ouais, quand même. Wow. 1D5 de tour, pardon. Mais attends, mais par contre, je fais comment du coup? On n'a pas d'antidote. Déjà de base, tu te prends 2 de dégâts. Alors, c'est très fort là par contre. Hein. Ouais, c'est normal, il teste la mécanique. Ouais, c'est mécanique expérimentale. Donc... Bah, du coup, au prochain tour, j'aurai un D3 en plus, c'est ça? De dégâts. Attends, déjà on va faire le 1D3. Non, c'est 1D3 fixe et chaque tour tu te le bouffes. D'accord. Donc là, j'ai pris 2 sur le D3, en fait, c'est ça? Pour voir s'il a laissé l'arme ou le poison, ou même la seringue car avec le poison, elle était bien vidée dans le D3. Si il est resté assez dans ton corps, elle était bien vidée ou autre. Ok, et du coup, t'as réussi? 1D3, 3 de dégâts. Pour 1D5 de tour. De quoi? Pour 1D5 de tour. Pour 5 tours. Donc là, je me suis repris 3 de dégâts en plus? Non, pour l'instant tu prends pas 3 dégâts en plus, tu te prends juste 3 dégâts, tu prendras 3 dégâts au prochain tour. Et malheureusement ça sera sur 5 tours. Ouais, donc là c'est très fort. Alors, juste pour vous dire, il existe une manière tout simple de se débarrasser du poison, c'est la manière toute conne de j'aspire le poison pour le cracher. Ça enlève un tour à chaque fois. Ça enlève quoi? Un tour automatiquement à chaque fois si vous réussissez votre jet. Je vois trop le type qui arrive en super. Non mais il y a plus simple en fait. Il y a plus simple parce que tous les utilisateurs de poison ont l'antidote sur eux. Donc j'ai juste à la buter et trouver l'antidote. Mais Sinel, où est-ce que tu t'es fait toucher? Il s'est fait toucher au niveau des couilles. Allez, attends. S'il a de la chance, c'est son bras mécanique. Ah, pas faux. Attends, donc. Je peux faire un des chances? Tu vas me faire un des chances, effectivement, tu vas me faire un des chances. Donc en dessous de 10, c'est ton bras mécanique. Merde. J'ai tenté de gratter pour toi, désolé. Ouais, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'était malin d'y penser. Ouais. C'était dans un coin de ma tête, mais je me disais, bon, bah c'est trop tard, les jeux ont été faits. Mais ouais, c'était malin d'y penser, ouais. Donc du coup, à moins que tu absorbes le poison, tu pourras te débarrasser de quelques dégâts. Pour l'instant, non. Ouais, mais c'est au pire, ça, je la bute au prochain tour et je trouve l'antidote. Le poison, alors, le poison n'a pas vu sur toi, donc il va pas bouger pour l'instant. Attends, quoique, est-ce qu'il a vu sur... Non, Dio, il est en hauteur, donc il ne peut pas le viser de là. Pour les autres, ils vont avancer dans le bâtiment. Il y a le combat d'infirme de Dio, au fait. Hein. Pas l'oublier. Ouais, t'inquiète. Je reviens le temps que vous finissez. Ouais. Oh non. Pourquoi il a fallu qu'il y en ait un autre qui se ramène? Oh mais. Voilà, et pour le combat d'infirme contre Dio, il y a l'ennemi qui va t'attaquer, Dio, avec son couteau de combat. Voyons voir, est-ce qu'il te touche? Ouais. Il ne te touche pas. Ok, c'est cool. Donc ça va être à votre tour de nouveau. Je crois savoir ce que je vais faire. Le carnif, à toi. Bon, écoute. Il y en a un qui a l'air ouvert, là. Ouais. Il est dos à toi, donc il ne pourra pas être tué. Enfin, il est côté à toi. Je vais pas te mentir. Hein. Tu touches ce guise. Non, je rigole. Qui passe, qui sort son snipe, qui vise la tête. Allez. Alors tu touches mais tu ne touches pas la tête. Pas grave. Voilà, c'est combien de dégâts qui fait ton sniper? Bah c'est une arme. Ouais mais je sais pas s'il est modifié donc avec des plus ou pas. Non, il est pas modifié. Donc pas modifié donc il prend un point de dégâts. L'autre qui arrive avec sa seringue. Ah oh, putain qui vise un point vital. Genre le cœur par derrière qui réussit. Elle ne touche pas le cœur mais elle touche. Alors elle fait juste je vais te donner la description de l'arme. Ouais, désolé, pas de bonne chose dans le jeu, c'est triste. Ouais, mais ignore l'armure si on vise un point vital. Ok, donc ignore l'armure, mais le point vital n'a pas été touché, c'est juste que ça ignorera l'armure.
Et du coup, bah, combien de dégâts? Pareil, 3 de dégâts. Je prends 3 de dégâts. Et l'autre, il va se régénérer et il va attendre. S'il quitte le corps à corps, il y a un jet d'opportunité, lol. Exactement, et en plus, là, tu l'as touché, donc Buffy, il va se retourner vers toi. Ok. Il te touche. De quoi? Combien de dégâts? Tu te prends 3 plus 2. Elle a pas de l'adresse, là, infirmière? Alors, ça, c'est Ilorik. C'est Ilorik qui faisait le jet d'adresse sur les attaques d'opportunité. Pour moi, je me dis, attaque d'opportunité, malheureusement, il y a... vous ne pouvez pas l'esquiver. C'est pas possible d'être. Une attaque d'opportunité, même dans D&D, tu ne peux pas l'esquiver. C'est quelque chose que tu te prends direct. C'est genre, tu te barres. Non, tu peux pas esquiver une attaque d'opportunité. Elle n'a pas d'adresse intérieure, elle a une intelligence de 12, mon cher. Il est où le rhinocéros? Je le vois pas. Ah, il est rentré derrière là-bas. C'est pas un rhino, c'est un ours. C'est un ours. Du coup, c'est terminé avec ton tour, Macarnis. Je regarde mes cassettes pour pouvoir gâcher quoi que ce soit d'autre. Donc t'as pas un flingue, du coup? Bah, j'ai un shotgun, mais je le garde sur moi. Non, mais les nanorobots. Comment c'est un flingue? Ah oui, bah. Ouais, il est désarmé, l'autre machin là-bas. Ouais, maintenant il a sorti un katana. Ah, du coup, il... Ah, t'as un flingue là. Autour de... C'est la ripasse. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver des bandages pour. De... Ah, c'est la. Non, alors, je veux faire un jeu d'intel, mais je te promets rien. Greg, ça, c'est la mécanique que tu as. Mais pour ça, il faut que tu te balades dans le bâtiment. Hein. Si tu restes sur place, tu vas pas. Ah, oui, non, mais tu vois, parce que du coup, vu que j'ai vu qu'il y avait les toilettes là. Ouais, mais qu'il bon. Qu'il y en avait là-bas. Évite de traverser le mur aussi. Hein, oui, bon. voilà. Tu n'as pas le pouvoir de métamorphoser les murs. Le truc, c'est qu'après, on sait pas combien de, quelle distance il te déplace, donc bon. Pour le moment, c'est legit. Ça passe. Donc là, tu peux faire un peu d'intel. Roll de 1 des 20. 4. Tu n'en trouves pas. Oh. J'avais dit si on aurait cette critique. Fallait faire. Ouais, Sentinelle. Bon, vas-y, c'est juste. Imagine, t'avais fait un 20, t'aurais trouvé une bombe, ça aurait explosé à ta gueule. T'aurais trouvé une bombe, vas-y, Asgiz. Lol. Il aurait pas trouvé une bombe, il aurait trouvé autre chose. Plutôt trouvé quelqu'un. Ouh. Oh non. Oh merde. Autour de Dio. Onio. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voler un peu en arrière, plus haut, tu vois, et en arrière. Genre. Vers quitte le corps à corps. Ouais. Mais non, je quitte pas le corps à corps. Et après, je prends mes couteaux et je lui balance. Tu voles, tu quittes le corps à corps. Il a droit. Et après avoir jeté le couteau, est-ce que je peux prendre tu quittes le corps à corps. Donc, il a droit à un jeu d'opportunité. Ouais. Il rate son jeu d'opportunité de toute manière. T'es sûr? D'ailleurs... Enfin, oui, il rate son attaque. L'assassin rate. Enfin, le sniper rate son attaque. Putain. C'est sur. Regarde les stats. Corps, donc bon. Ah, pas envie de le... Donc tu fais quoi, Dio? Je vais prendre mes couteaux et je vais lui lancer mes trois couteaux. Alors tu me fais les jets d'adresse de tes couteaux. 3, 1. 3 des 20. T'as combien en adresse? Alors, en adresse sur le perso ou sur les couteaux ou c'est, j'sais sur, pas. Sur le personnage. Ok. Adresse, j'ai 12. Tu as 12 d'adresse, donc tu en réussis. Du coup, il y en a deux. Tu touches deux fois. Il a droit à deux jets d'esquive parce que, hey, c'est des couteaux qu'on lance. On peut les esquiver. Ça, c'est pas des balles. Ouais. Que personne me dise non, il peut pas esquiver. En fait, si on esquive un, l'autre lui tombe à la gueule parce qu'il jette les trois d'un coup. Tu comprends? Ah. Il a la première esquive, mais il rate la deuxième. Et... Il glisse sur une douille. Une douille. Nouvelle mécanique, alors, les saignements. Ok, j'arrête. Il tombe en avant du coup et ben il s'enfonce le couteau plus profond. Non, mais ça aurait été marrant qu'il tombe en arrière et qu'il tombe dans le vide. Donc ouais. Du coup, tes couteaux, c'est deux dégâts de base, il me semble. Ouais, mais comme il s'enfonce plus profondément, ça va faire deux dégâts en plus, donc il va se prendre 4 de dégâts. Ok. Voilà.
Tu veux encore faire quelque chose ou c'est tout? Enfin, non. Bah, je sais pas, j'hésite à sortir mon flingue et lui tirer une ou deux balles. Non, c'est... tu viens de lancer des couteaux, donc c'est non. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Je pense que pour les attaques multiples comme ça, dorénavant, il y aura un malus. Ouais. Ah. Comme les flingues et les mitrailles. Il faudra vraiment qu'on mette en place cette mécanique des malus, les gars. Les flingues, les mitrailles, pareil. Malus de 1 à chaque nouvelle balle. Ou comme viser un point précis aussi. Ouais, malus. Viser un point précis aussi, malus. Sauf si tireur d'élite. Ouais, tireur d'élite, ça n'a pas besoin de ça. Écoute, je lance comme duo. Un entre chaque doigt, tu vois. Bah, oui, mais si tu te mets un entre chaque doigt, t'as des malus encore plus importants pour viser. Ouais. Autour de 6. Oh, c'est, ouais, c'est pas pour le RP, c'est juste. Bon, après session, on fera une réunion de héros de Lucan. Entre MJ, hein, entre MJ, j'ai pas envie d'entendre. Excarnis. De quoi? J'ai pas envie d'entendre Excarnis. Non, j'ai pas envie d'entendre, par exemple, je sais pas. Les gens qui se défendent parce que c'est leur mécanique. Je vois pas du tout de quoi tu parles, mais je vais pas du tout défendre Guise. Par exemple. Mais toi, t'es MJ, donc j'ai pas le choix. Bon. Continuons. Du coup, je suis dans la merde parce que je suis empoisonné. Déjà, tu te prends 3 points de dégâts. Attends, c'est 3 points fixes ? 3 points fixes. Tous les tours. Mais c'est horrible ! Ah oui. Bah, c'est pour ça que c'est une mécanique expérimentale. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment trop. Imagine, je suis un des persos qui a le plus de points de vie. Hein. Mmh. Imagine un personnage qui a 8 points de vie. En alors, deux tours, il est mort. T'es un des persos qui a le plus de points de vie. Splash et Sentinelle ont environ 30 points de vie chacun. Oui, non, mais ça, je sais. Mais je suis... Je dis pas que j'étais. J'ai dit je suis... Ouais, là, dans l'émission actuelle, oui. C'est pour ça que je te dis ça. Je trouve ça vachement... Mais oui, plus... mais imagine... Enfin, bref. Imagine un perso, il a 8 PV, il est mort en 2 tours. Quoi. Bah, c'est moi quoi, genre j'aurais pu mourir quoi. Mais enfin bref. Ou moi encore. C'est pas grave. Du coup, ce que je fais, c'est que cette personne, je vais faire en sorte de la tuer et d'essayer de trouver un antidote. Donc, je vais réutiliser mon pouvoir de gravité pour lui faire quitter le sol. Vas-y. Donc, qu'elle ne puisse pas esquiver, ça passe. Ça passe, donc elle quitte le sol, elle se fait soulever. Et je lui balancer deux slash. Bon bah, alors, elle est morte. je vais quand même lui faire deux gels d'esquive, on sait jamais si... Ah non, c'est vrai. Ah si, elle a quitté le sol. Elle est en l'air. Hein. Ouais, elle a quitté le sol, mais elle peut toujours tenter de bloquer avec ses gantelets en métal. Ça lui fera plus. Je joue à Fruit Ninja là avec. Hein. Tu joues à Fruit Ninja, oui, mais bon. Bah, de toute façon, le deuxième, ça passe de toute manière. Il aurait fait une réussite critique, il aurait pu bloquer, mais non. il se fait couper, écoute. Il se fait couper, réussite critique, tu doubles tes dégâts, donc tu passes de 5 à 10 avec 5 de perse armure. Donc, écoute, tu la coupes en deux. Du coup, directement après, je cherche l'antidote sur elle parce que. Tout utilisateur de poison a un antidote. Fais un jet dentelle. Je vais faire un jet dentelle. 20. Il passe. Oh. Yes. Il trouve une petite fiole avec des caractères japonais dessus. Alors, heureusement, t'es japonais apparemment. Oh, quelle chance! Quelle chance. Oui, c'est pas vrai. Tu lis toxine de sofa. Oh putain, mais non! Du coup, mais non, mais c'est pas logique qu'elle est pas là. Théo Jasmin. C'est pas logique, mais je te rappelle qu'on est dans un jeu de rôle. Théo Jasmin. Les adversaires veulent absolument votre mort. Du coup, je vais me mettre à couvert et je vais essayer de commencer à retirer le poison. Ok. Alors, il a été fait sur ton et bras petit à petit aussi. La blessure a été faite sur ton bras non bionique, donc. Mon bras droit. Voilà, parce que si c'était fait sur ton flanc, t'aurais eu un peu de mal à aller sucer le venin. Ouais. Je commence à sucer le venin. Alors, normalement, il me semble que tu dois faire un jet de force pour éviter de l'avaler.
Non, c'est un jet de force. Mais non. C'est horrible parce que j'ai eu ton force. Fais-moi un jet de chance, voir si tu arrives à annuler un tour complet. Vas-y. En fait, tu avales le venin et tu te prends 3 dégâts supplémentaires. Si tu veux, mais. Techniquement, c'est ça. Mais sur un jet de chance, je sais pas si on peut faire des réussites critiques et des échecs critiques sur un jet de chance. Bien sûr, sur un jet de chance. T'es sûr ? Allez, réussite critique, la silhouette, échec critique. Bon, bah, t'as un caillou qui te tombe sur la gueule de nulle part. Voilà. Non bah, ça, écoute, il me reste. Non, mais ça dépend, ça dépend des trucs. Mais bien sûr qu'il y a des échecs et des réussites critiques sur non, les bah, non, mais t'inquiète, c'est bon, je les ai retirés, mes 3 PV. Fine. Bon, il manque plus que 4 tours de poison. Bah, si je... quelqu'un ne vient pas te sauver très vite. 3 tours, en fait, il a volé directement une dose. Allez, ouais, 3 tours, mais tu t'es pris des dégâts supplémentaires directs, tu vois. Oui, bah oui, je viens de les prendre. C'est comme si je m'étais pris 2 tours de poison. Stalk, à toi. Ouais. Ils ont pas joué les jetons au-dessus, là. Hein. Les deux, là. Ils avaient joué. Ils avaient tiré. Ils sont mis derrière leur... Ouais, okay, ils sont mis derrière leur pote. Ok, qui est mort. Mais là, attention, l'un des deux est en sentinelle. Ok. Est-ce que, genre, avec ma force, là, je peux charger le mur ? Je peux le casser ? Tu peux péter le mur, vas-y. Tu dois me faire un jet de force. Evan McCartney, c'est en train d'abuser. Ouais, ok. C'est pas avec mon pouvoir ? C'est avec super force, mais tu dois faire un jet de force. Okay. Mais t'as super force ? Il a super force. Putain, l'ours avec super force. Oh non ! Ouais, c'est le truc. Allez, All Might. Allez. On a déjà eu All Might. 4, nice. Tu arrives à traverser le mur. La personne est prise par surprise, donc tu as le droit d'attaquer. Ok. Est-ce que je peux faire des dégâts de zone, genre... Tu peux l'éjecter sur son pote, mais de là où tu es, tu ne peux pas les attaquer tous les deux en même temps. Je peux en prendre un pour le lancer sur l'autre, quoi, non ? Ouais, tu peux prendre un pour lancer sur l'autre, mais à ce moment-là, il aura le droit à un jet d'esquive. Ok. Même avec... Il y aura quand même un petit bonus sur la surprise, non ? On met rarement des bonus sur les attaques... Okay. Bah là, c'est pas trop discret parce que t'as un peu pété le mur en fait. Ouais, bah, non, là, j'ai charge, là, il s'attendait pas, il est en train de dire. Il a le droit de se pousser sur le côté par réflexe, tu vois. Ok. Puis je te rappelle que bon, il s'attendait pas trop à ce qu'un mur pète. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc là, je vais relancer là. Je lance. Tu relances un jet de force pour le choper. Il s'attend à ce que les murs pètent un peu maintenant. Un bon chocolat chaud. Si ça passe, il a le droit à un jet d'esquive. Je viens lui autoriser un petit malus de 2, mais ça s'arrête là. C'est la seule fois que je le fais. Chaud. Attends, je regarde, c'est les larbins. Larbins, ça passe. Il arrive à t'esquiver, même avec le malus de 2. Donc, mais ils ont 16 en adresse, je pense. Maintenant, je vais dire tout pile. Parce que 15, c'est dégueulasse. Ah, ils ont 14. Ouais. Oui, tout pile, ça passe. Merde, bah oui. Je te mets des chiffres impairs, sont dégueulasses. Tu continues ton élan pour entrer dans le deuxième. D'accord. Tu peux continuer ton élan pour rentrer dans le deuxième si tu veux. Ok, donc là je refais un lancer. Tu refais un lancer de force du coup. Bah ça passe. Lui il va tenter aussi d'esquiver. Et ça passe aussi. Oh là là là. Pouf pouf. Mais Sif, du calme! C'est expérimental! Oui, mais il faudra l'ajouter. Parce que oui, c'est expérimental. Okay. Là, le pauvre, il va crever sur une mission expérimentale. Non, j'ai dit, si vous tombez KO ou vous crevez sur cette mission, ça ne compte pas. Vous aurez des récompenses, mais vous ne pouvez en aucun cas vous faire capturer ou mourir sur cette mission. Ok, allez, c'est bon, je vais me suicider. Je trouve ça quand même frustrant. Oui, d'accord. Par contre, toi, tu trouves ça logique que tu prennes un antidote. Si moi, je devais empoisonner quelqu'un dans le but de le buter, je prendrais pas d'antidote, tu vois. Non, mais lui, c'est un utilisateur de poison régulier, le mec avec les griffes, t'imagines. Il se gratte un peu et merde, bien sûr qu'il a le truc. C'est pas comme si t'es un espion qui a sa dose de cyanure pour éviter de donner les infos, tu vois. Lui, c'est un utilisateur régulier, donc faut qu'il ait l'antidote. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, en fait, que j'avais cette idée en tête. Alors, ils sont engagés, enfin pas engagés, mais ils sont entraînés. Pour buter des gens. Si jamais il faisait une connerie pareille avec ses griffes, même s'ils étaient empoisonnés et quelqu'un le voyait, ça, il se rabatte direct. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc prendre un antidote, ça compte comme une erreur. Pourquoi ? Ça permet à la cible de se soigner si jamais tu te fais buter. Bah, c'est un peu
Bah alors c'est faudra nerf la... le poison. Mais c'est expérimental, merde, vous comprenez pas quoi là-dedans. Il faudra expérimenter. Mais oui, c'est ce qu'on verra après. Mais oui. Ou plutôt que ce soit des debuffs au lieu que ce soit des dégâts. Non, je pense. Bah, au lieu que ce soit des dégâts, genre tu sais, ça t'enlève de l'adresse ou la force, tu vois, genre ça te. Ouais, des buffs. Ouais, des debuffs, c'est ce que je dis. C'est pas mal. Hein. Parce que c'est vrai que bon, sur 5 tours, se prendre 3 PV à chaque fois. Oh mon dieu, mais parlez pas des dégâts. C'est expérimental. Putain, vous me saoulez. Allez, allez, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé. J'ai fait une grosse aparté. Il y aura une. Ça sera nerf après, vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, c'est un expert pour nerf les choses. La paralysie, nanani et nanana. Continuons, continuons. Oh, putain, bon, autour de ce guise, du coup. Oui, je vais le faire péter. je vais faire péter encore mes mains pour voler et être en dehors de son contact parce que j'ai pas envie de me prendre des patates en fait. Je ne sais pas si vous pouvez faire une attaque d'opportunité là-dessus. Je pense pas actuellement. Non, ça fait une explosion, donc un écran. Qui te cache, donc ouais, allez, vas-y. Par contre, j'ai de l'adresse pour me ramasser, moi. Ouais, j'ai de l'adresse, en tout cas. Sinon, tu bouffes le mur, mon gars. Déjà, il te prend 4 points de dégâts, génial. Et ensuite, j'ai de l'adresse pour me ramasser, parce que j'ai pas envie de... Voilà. T'as un perce d'armure de 1, il me semble, non? Oui. Mais du coup, 2. Là, j'ai 2 perce d'armure. 2 perce d'armure, donc il se prend, ok. Oui, t'attends, c'est ça? Non, c'est à chaque dé. À chaque dé, il y a un perce d'armure? Si j'ai pas de conneries, c'est ça. T'es sûr? Explosion. C'est 1 des 4 plus 1 de dont 1 de pénétration, donc c'est 1 par dé. J'ai quand même minimum. Explosion. Il est tiré combien le tien? 3. Donc c'est 2 de perce armure. Oh. Donc du coup, fais ton jet d'adresse maintenant pour voir si tu te rattrapes. Tu sonnes contre le mur, tu prends pas de dégâts, tu sonnes contre le mur. Autour des méchants, enfin des ennemis. T'as le mur à travers les portes, tu vois la tête à travers le mur et en fait t'es bloqué. Bah du coup il te voit ce guise, il va se concentrer sur toi. Non. Tac. Il va tenter de t'en mettre une. Le truc plaqué. Alors, il te touche, tu peux essayer d'esquiver avec une roulade ou autre. Je vais aller en haut. Oh putain. Non. J'ai d'adresse pour voir si j'ai le temps. Vas-y. Oui. Ah, t'as le temps. Donc tu exploses. Tu fais des dégâts pour mon. Quoi? Tu se prends des dégâts en plus. Non, pas de dégâts en plus. Sur les jets d'esquive, je n'autorise pas ça. Ah, nul. Si tu veux t'écarter, ok, c'est d'accord, mais si tu veux. Pas grave. Si tu veux esquiver, ça serait ignoble parce qu'à ce moment-là, tu pourrais juste prendre super vitesse et explosion. Tu esquives en bleu, en de dégâts. Bah oui, mais c'est horrible l'explosion. Mais dis-toi que c'est côtière tout. Il y a un jet d'opportunité. Bon, tu vois le truc. Bon, c'est pas grave. Mais après, si tu veux aller en l'air, il faudra péter le toit derrière. Oh, j'esquive en l'air, écoutez. Toi, tu sais, le saut, tu sais. Wouhou ! Pas derrière lui. Ok, bon. Pat. Paf. L'attaque horizontale pour tenter de. Une explosion vers le bas, une explosion vers la droite. T'es allé au-dessus, donc il t'a pas touché. Autour des autres. Le sniper va prendre son flingue et te tirer dessus. Oh no. Oh no. Il te touche. Tu as droit à un jet d'esquive parce que tu vois quand même le flingue qui te vise. Quoi. Mais avec un malus. Ouais. Un malus. Alors un jet d'esquive de 20. Ok. Un des 20, vas-y. Du coup, sur adresse qui j'ai 12, ok, ça passe. Non, ça passe. Non, ça passe même pas. Avec adresse, t'as combien d'adresse? 12. Bah, ça passe. Ouais. Ah, ouais, oui. Ah oui, oui. T'inquiète pas, tu esquives. Il touche les gars en bas. Non, mais t'es en l'air. Sur l'échec critique, oui. Pour les deux autres, mon cher Astorel, ils vont t'attaquer au corps à corps. Ok. Alors, il y en a un qui te touche, il y en a un qui te rate. C'était assez d'adresse, le droit à un jet d'esquive. Mais c'est vrai que je peux mettre des effets, mes explosions. Mmh. J'oublie totalement. C'est 12 quand même. Ouais. Regardez.
C'est quoi l'escarnisse? C'est expiré, mon gars. Mais bien sûr. Tout pile, ça passe. Tu arrives à esquiver tout pile. Bon, je vais faire un peu. Si. Toup, toup. Hop. Coucou. Tu peux me laisser sucer mon poison? Non, mais tu sais, t'as fermé la porte, tu l'entends. Non, mais c'est une porte. Alors, toutes les portes ici sont des portes en verre, les gars. À part les portes de toilette. Mais je le regarde en mode. Il est mort. Il va tenter de te tirer dessus. Non, fais mort. Enfin, en fait, tout est. En fait, on est en VR là. Ouais, du coup. Manière. Il me rate? Il rate de toute manière. Bah, je lui fais un doigt d'honneur. Je lui fais un doigt d'honneur tout en continuant à sucer mon. Alors, ah oui, il y a un mur là, donc ils peuvent pas tirer sur les mecs de ma famille. Faut juste continuer étant donné qu'ils ne voient pas du coup. Cette scène surréaliste quand même là. Tu m'as raté. Fuck you. Fuck. T'es qu'une merde, Jack. Ah, celui-là peut tirer sur Sgeeves, je pense. Ouais, mais non, il y a des vitres, un petit comptoir, je suis à 1m40. S'il sort son corps comme ça, genre, il peut te tirer dessus. Non. Il va te tirer dessus. Non. Putain. Tu vois le mec, il penche son buste comme ça, il fait coucou. Je peux tenter d'esquiver. T'inquiète, c'est expérimental. Il esquive, mais avec un malus de 1. Expérimental. Un autre. De quoi? T'as déjà tué quelqu'un, donc t'as un malus de 1. Voilà. Ça passe, j'ai 16. Passe. En fait, quand on va mourir, j'ai 16. En fait, on va se réveiller. Non, j'ai 16 en adresse avec lui, ça va en dire. Ensuite, il reste plus que le dernier sniper. Ça dépend. Dio, à quelle hauteur voles-tu? Plus haut que lui, en tout cas. Plus haut que lui, donc ça veut dire que l'autre sniper te voit. Il va te tirer dessus aussi. Lui, je ne sais pas si tu peux l'esquiver, étant donné que tu ne le voyais pas de là. Je l'avais même pas remarqué au tout début. Ah bah, tu l'as même pas remarqué, donc tu n'aurais pas dû me dire ça. Donc du coup, tu ne peux pas l'esquiver. Ah, c'est pas grave. Tu te prends 5 points de dégâts. Yes. J'ai plus combien de PV? 3. 3. Et autour des supers, à vous. C'est expérimental, vous inquiétez pas. Va te faire foutre. Ouais, en fait, on est en VR. Le flingue de l'autre. C'est qui Dio? C'est quoi ses stats? C'est lui là. Kono Dioda. Celui qui vole dehors. J'ai piqué le flingue de quelqu'un, c'est quoi ses stats? J'attends depuis tout à l'heure. C'est 2 dégâts. C'est un pistolet tout simple. 2 dégâts légers. Très bien. Il a demandé. Boum. 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 Vas-y, 3D d'adresse. Alors 2D et ensuite je ferai le shotgun parce que j'ai quand même pas envie de tuer Ziggs. Ok, vas-y. Ah, le pistolet. Alors, de haut en bas, donc le pistolet fait double de dégâts, donc 4. Et le sniper se foire. Donc il fait 4 de dégâts à l'adversaire qui a une armure de 2, donc il va perdre que 2 points de vie. Et du coup, comment je pourrais faire pour pas toucher Ziggs? Bah, je vais viser. Quand est-ce que je fais une réussite critique, moi? Je vise dans le coin, tu sais. Viser un peu plus de ce côté-là pour pas toucher ce guise. Vas-y, ok. Je compterai quand même les dégâts, t'inquiète. Ça ne passe pas, tant pis. Ça ne passe pas, dommage. Tu tires, mais tu n'arrives pas à le toucher. T'as déjà un impact qui ressemble étrangement à Ziggs, des traces d'explosion, et maintenant t'as plein de shrapnel dans ce mur. L'autre réagène son point de vie. Attends, ouais, c'était le tour de Macanis, ok, ouais, c'est autant pour moi. C'est au tour de Celeritas maintenant. Bon bah vu que je vois que je suis, enfin que je devine que je suis plus ou moins encerclé. Et vu d'ailleurs tu vois le mec devant. Ouais, justement je vois le mec devant. Je vois le mec devant, bah du coup je vais juste run littéralement sur lui et sortir mon couteau de chasse pour le planter directement. Quoi. Genre super vitesse, à la vitesse de l'éclair. Vas-y, donc il y aura des dégâts d'élan. Ouais, les dégâts d'élan. Fast. De là à là, ça fait... Alors, non, j'étais à la porte. J'étais à la porte, un peu plus loin. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est à partir de là. On est à 1 dégât, tu fais 3 mètres. Là, il est à peu près à... 5 mètres, à peu près à une... Bah oui, non, 15 feet, ouais, bah non.
T'es à peu près à 6 mètres. Voilà, donc 6 dégâts d'élan, vas-y. Non, 3. 3. 2, parce que c'est 1 dégât tous les 3 mètres. Ok, ouais, attends pour moi. D20 vrai. Plus 3, c'est ça? Non, plus 2, plus 2. Les 2, ils sont fixes. Non, c'est dans les dégâts, les 2. Ouais, c'est dans les dégâts, donc. Là, tu me fais ton 1 des 20 pour le toucher déjà, pour commencer. C'est je un touche pas. T'as quoi? T'as 8 de force. Non, mais est-ce que t'as un art martiaux? Non, pas joué. Non, donc 8 de force, va, tu le touches pas. Dommage. Après, ça dépend à quel point il le touche pas, est-ce qu'il percute quand même, tu vois? Bah, il le touche pas, donc il a tapé trop tôt en fait. Ah merde. Il a tapé dans le vide. Ouais, exactement. Ah je le rentre dedans quand même, non? Tu lui rentres dedans, mais juste avec ton corps, donc bon. Il a de l'armure, il prend pas de dégâts. Voilà. Non, ça... Attends, faut savoir aussi la différence de corpulence entre les deux. Bah, parce que là, ça peut faire un moustique qui s'écrase sur un pare-brise. Bah, y en a un qui fait 2m10 et y a l'autre qui fait genre 1m80, 70, un truc dans ces eaux-là. Bon, bah, ça fait le moustique qui s'écrase sur un pare-brise. Voilà. Autour de Dio. Alors, moi, je vais arrêter le temps et je vais tirer 3 balles avec mon pistolet. Et quel tir ton pouvoir? Quel tir? Il est T2. Parce que contrôle du temps, c'est ouf, merde, c'est les premiers faits, non? Tu peux le faire qu'au tir 3, utiliser des armes à feu. Ouais. Ah, mince. Ah, c'est pas grave, je vais quand même tirer, du coup. 3 balles. Oh, putain. Ça, 3 balles. Bah, écoute, vas-y, ignore les restrictions. Mais vas-y, il peut pas tirer à 3 balles. Fais-moi ton jet d'intel, mais tu vas voir, Osgiz, tu vas voir. Bon, j'ai d'intel. Fais ton jet d'intel pour arrêter. J'ai combien d'intel? Attends. Bah, ça passe pas. Bah, t'arrives pas à arrêter le temps déjà pour commencer. Ok, bon. Est-ce que je vais quand même tirer? Bah, je vais quand même tirer. Vas-y, tire-moi tes 3 balles. Donc, tu auras malus de 1 pour la deuxième et malus de 2 pour la troisième. Sur ton jet d'adresse. Merde, j'en ai fait 3. J'en ai fait 2. Je l'ai fait 2 fois. Okay. T'as combien en adresse? En adresse, j'ai 12. Donc, les 3 passent. Donc une qui fait double dégâts. Mais il a quoi comme arme? Pistolet, il me semble. Un pistolet, j'avais 3 couteaux, je les ai lancés. Mais du coup, tu peux tirer qu'une fois. Ouais, il peut tirer qu'une fois, c'est vrai. Même les pistolets automatiques, ils peuvent tirer qu'une fois. On prend que le premier jet, puis voilà. Ouais, que le premier jet, donc tu fais que 2 points de dégâts. Oh bah. On pouvait pas prendre le 1, pas? Non. Tu fais rien d'autre? On a créé un truc pour les armes. Enfin, Ilorik s'est fait chier. D'accord, je comprends. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, ok, attends. Te déplacer, te mettre à couvert, genre redescendre un peu. Bah, ouais, il peut encore frapper. Hein. Bah, non, parce qu'en fait, il a déjà dépensé son point d'action pour tirer. Ah, oui. Du coup, là, il lui reste le point de mouvement. Je descends un peu au niveau du sniper. Au niveau du sniper, ok. Donc, autour de Siv. Alors, je me prends. Je peux pas sucer le. Tu peux sucer le sang, mais quand même 3 points de dégâts. Mais je suis obligé de me retirer les 3 là? Ouais. Il a tombé KO. Oh, what the fuck? Oh, je suis t'as dans la merde. Bah, il me reste 3 PV. T'as intérêt à sucer le poison sinon? Ouais. 20. Il n'y a plus que 2 tours de poison, donc si tu suces le poison, sauf si une réussite critique, tu n'auras plus qu'un tour et tu seras KO dans tous les cas. Bah, dans tous les cas, en fait, je suis baisé, donc tu sais quoi? Je suis un japonais, hein. le mec. Quitte, franchement. Quitte à franchement crevé. Je rentre. Je sors. Lui, est-ce que je vois le mec là-bas? Tu le vois en tournant la tête. Ok, alors, déjà, premièrement, lui, je le ramène ici. Grâce à mon pouvoir de gravité, je fais un trou de verre pour l'amener jusqu'ici. Fais-moi ton jeu mental. Déjà, ton café. Oh non! Mais c'est incroyable ça! Attends, il va partir où du coup? Parce que attends. Tu utilises ton pouvoir sur toi sans le faire exprès
Et je vais où? Tu t'éclates dans le mur parce que tu es vers là. Non, non. Je vais traverser la porte en verre et tu atterris ici. Yaaah! Et là, du coup, je le regarde, lui, là-bas. Non, t'es au sol pour l'instant, t'es plavant. Il le regarde au sol. Je le regarde au sol, et qu'est-ce que je peux faire, là? Il est beau, le plancher. Je vais utiliser ton pouvoir de gravité. Hein? Bah attends, mais j'ai utilisé mon pouvoir, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah, je sais pas, hein. J'ai un peu dans la merde, là. Je peux lui faire de toute façon, j'étais mort dans tous les cas, donc... Osef, lui, là, eh ben, je vais lui balancer tous mes shurikens dans sa gueule, là. Les 4 shurikens. Oui, c'est vrai que tu peux tous les lancer en même temps. C'est un jet de dext. C'est un jet de dextérité, tandis que t'as 4 projectiles à lancer en même temps, t'auras un malus supplémentaire par projectile. Donc le deuxième jet aura un malus de 1, le troisième jet un malus de 2. Ok, j'ai fait 6... Deuxième, 10. Troisième, 2. Ah, le quatrième ne passe pas, mais ouais. Tout le monde passe. Ils font combien de dégâts, tes shurikens? C'est, je vais te dire ça tout de suite. Ils sont pas modifiés, je crois. Je les ai montés de rang. Alors, ça fait 4 de dégâts, donc là, 4, 8. 12. 12, 12 de dégâts, et, à part s'il a une armure, et du coup, ça... Là, il se prend 6 points de dégâts, parce que j'enlève les dégâts de shurikens par shuriken. Donc, si tu les lances tous en même temps, il ne fera pas genre 12 moins 2, il fera... Oui, je sais, t'inquiète. Voilà. Et bon, bah, je suce le... Quand même, hein. Oh, allez, je t'autorise vite fait ça, vas-y. Je suis au sol et je suis mort, donc je m'en bats les couilles. C'est choqué. Il va lui cracher à la gueule, c'est quand il arrive. J'ai réussi à... Plus qu'un tour. Bon bah les gars, c'était un plaisir. Autour de Stoelk. Ouais. En fait, on a des points d'action ou pas, je ne sais pas exactement. Enfin... En fait, en termes de points d'action, vous avez droit à une attaque, par exemple. Enfin, à part si vous avez mettre des armes martiaux, mais sinon, vous avez droit à une attaque. Ok. Pareil pour si vous avez trop de vitesse. Vitesse. Si vous avez super vitesse, vous avez droit à des points d'action supplémentaires. Mais sinon, vous avez droit qu'à une attaque, un déplacement et les utilisations de pouvoir comptent pour une action rapide. Donc, par exemple, Si tu avais un gadget, yeux laser, c'est la même, c'est une utilisation rapide. Donc, si tu avais yeux laser et que tu étais au corps à corps, tu pouvais utiliser tes yeux laser et frapper. Mais okay. Si tu n'as que super force et. Un gadget, c'est pareil. Oui, c'est une utilisation rapide. Ça dépend des gadgets. Si c'est une arme, voilà quoi. Non mais moi en tout cas j'espère qu'ils vont m'achever avant que je me fasse tuer par le poison parce que honnêtement ce serait le pire des déshonneurs pour moi. Question, les deux à côté de moi là, ils ont quoi comme arme? Ils ont tous les deux sorti un katana. Ok. Donc j'utilise mon gant onde de choc là, je pousse lui là, dans cette direction, de 20 à 6. Voilà, le gant onde de choc ça compte comme une arme. Voilà. Ah c'est pas un gadget? C'est un gadget mais c'est une arme en soi. C'est juste un truc que tu mets sur ton point pour modifier tes dégâts de corps à corps. Ah donc je peux te taper, enfin ça fait des dégâts en plus de le pousser quoi. Voilà par exemple, enfin il me semble que c'est ce qu'on avait mis dans ta fiche. C'est compliqué du coup. Attends laisse-moi revoir ta fiche. Toi, gants d'onde de choc, non c'est juste un repos, ça fait pas de dégâts en plus. Bonjour, mais quoi crash? C'est useless du coup. Ok. Quand t'avais dit genre que ça repoussait, tu m'avais rien dit d'autre. Donc bon. Ok. Bah, je pense que je vais refaire la même. Hein. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre quoi. Vas-y, donc jet de force pour tenter d'en saisir un. Ça passe, il va tenter son jeu d'esquive. Enfin, l'esquive t'aggrave quoi. C'est assez compliqué de combattre au corps à corps, je te le dis tout de suite. Ok. C'est un peu con. D'ailleurs, taper l'autre, voilà. Ouais, t'as tenté une grappe, tu peux frapper l'un des deux si tu veux. En soi, combattre au corps à corps, ça peut le faire, c'était super force. Mais il a super force. With another motherfucker. Allez hop.
Oui, t'as un jeu d'esquive. Et ça passe, il esquive ton coup. Ça va être au tour de Sguise du coup. C'est trop fort l'esquive. Oui, c'est abusé. Je sais, c'est ce que j'ai dit, mais... Alors, le truc, taper, c'est que... C'est... En fait, si tu mets un malus pour les armes à feu, ça va rendre le corps encore, encore plus inutile. Je sais, mais bon. On verra bien. Moi, j'avais déjà râlé sur l'esquive, il n'y a personne qui m'a écouté, donc bon. Tout ce qu'on a mis, c'est un malus de 1 pour attaque supplémentaire. Moi, je trouve ça fort. Moi, j'avais dit tu as droit à un nombre d'esquives limité en fonction de ton esquive, mais il aurait qu'il avait refusé. Genre, tous les deux points d'esquive au-dessus de 10, tu as droit à une esquive supplémentaire. Parce que du coup, là, les mecs, ils sont vraiment à 1 cm de moi et je les touche pas, quoi. Ouais, je sais. Donc, avec la force de base, tu vois, tu n'aurais droit qu'à 3 esquives. Ok. Non, 4 du coup. 10. Non, non, 10, t'as une esquive gratos. Donc, c'est la première esquive. Puis à 2, à 12, tu as 2. Et puis à 14, tu as 3 esquives au total. On verra bien. Ah putain, mais t'es chiant être au contact, t'aurais pu dégager, non? Mmh. Parce que moi, du coup, je peux pas bouger d'ailleurs. Attaque d'opportunité derrière. Je te promets, je te laisse t'occuper tout seul de lui hein, si tu restes au contact. Ah, vas-y, moi, je suis chaud. Hein. Le mec, assez chiant. Mais, là, moi, je peux me déplacer là? Il a des vêtements, l'autre fils de pute? Attends. Bah, tu peux te déplacer, Doppler, mais ça, tu te prendrais une attaque d'opportunité. Et c'est quoi les chances? Genre, c'est quoi? Il y a des stats là? Bah, c'est eux qui auront le droit de t'attaquer en fait. Ouais, non, on va éviter. Ouais, non, je reste. Ok. Bah, du coup, on verra aussi l'esquive après cette partie. Ouf. Oh, je suis fatigué. Moi. Il y a des vêtements, on est d'accord? Ouais, il a des vêtements. Boop! Je transforme sa cape en bombe. Ah oui, tu l'as enlevé, fais chier. Je mets une main au cul et son short de... Voilà. Je doute si ça fonctionne réellement, hein. Écoute. Sur des je vêtements. Peux transformer des objets tant que c'est porté, tant que je peux les porter. Que je lui dis. Le pantalon est trop grand pour toi, tu peux pas le porter. Oh non! Non, je t'autoriserais pas à faire ça pour une raison, ça serait beaucoup trop simple pour tout type d'ennemis en fait. Genre ça serait un handicap assuré pour eux en fait parce que l'explosion c'est tout. J'ai d'adresse et lui il a un jet d'esquive. Bah oui. Bah c'est logique. Vas-y du coup. Il enlève son short le plus vite possible quoi. Tu vois, je lui slap d'alas et lui il peut faire bah non. Quiz, je lui slap pas d'alas. La bifle, tout simplement. Coup ici. Du coup, je le slap d'alas. Bah il t'esquive. Le coup de couille. Oh. Faudrait vraiment mettre. Si vous mettre en place le système de défense. Bon, bah, il fait chier, hein. Ouais. Le, système de... le système d'esquive, on va devoir le corriger en fait. Mm. Défense esquive, on va devoir le corriger. Bon, bah. Je te laisse gérer ça. C'est honteux. Hein. Ah, tu t'écartes donc il a droit à une attaque. Ah non, il était sur l'autre. Attends, ah non, c'est vrai, il était sur moi. J'en ai dit. Bon, bah, non, hein. Bah, du coup. Non, mais. J'aime bien ta batte, mais faudrait vraiment que tu remettes ta cape, hein. Ça m'arrangerait. Tu veux pas que je te file ta cape en plus, t'avais l'air stylé avec. Il s'en fout de ce que tu lui dis, il veut juste vous buter. Ouais, en plus t'as un beau petit teint, t'as un beau teint, tes cheveux un peu foncés noirs, le rouge ça va très bien, remets ta cape. Alors, zoom bien, tu vois qu'il a des cheveux blancs et que c'est une casquette noire. Ah bah c'est encore plus classe putain, le rouge, j'adore le rouge et le blanc, le rouge et le noir, alors tu fais un combo des trois. Remets ta cape je te le dis, je te la porte tranquille si tu veux. Allez, tu veux me buter, autant me laisse-moi avoir un bon dernier moment. Elle a un jeu de charisme. Si tu me laisses aller chercher ta cape, c'est l'Erita, s'il arrête de te frapper, je te promets. Il comprend pas ce que tu dis, il parle japonais. Ah, je lui monte la cape. Attends, tu sais, je lui monte la cape, je fais ne, je lui fais le signe, tu vois, comme quoi il le remet sur le dos et moi je fais, je lève les mains en l'air comme quoi je me rends, tu sais, si. Oh non, Capuda, ouais. Ah, oh, il fait chier. Je voulais lui donner sa cave, voyons. Escarnis, t'es lourd, ta gueule. Bon, bah, à mon tour, hein, écoute. Si jamais on meurt. J'ai tenté de lui slap d'Atas, ça a pas marché. T'as déjà fait. Oui, j'ai tenté, ça a pas marché. Ouais, bah on passe à eux, du coup.
Bon bah, c'était sympa de vous avoir connu, les gars. Hein. Oh. Déjà, on va commencer par Dio qui va se prendre une balle de devant lui. Neuf, tu as le droit à ton jet d'esquive, Dio. Ah, oui, moi. Moi, j'ai d'esquive. Je n'ai pas un des deux qui était mort là. 20, oh. Il se prend la balle et il tombe, il se brise la nuque sur le coin du bâtiment. Bah alors 20, je croyais qu'on n'avait pas des morts à 20. Ta gueule, c'était pour... Je rigole. Oh, 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 oh. Je sens du sel. Non, c'est juste que ça commence à me faire chier. J'ai répété, c'est une partie expérimentale. Il y aura bien plein des trucs qui seront remis à jour. Donc, c'est bon, expérimental. C'est expérimental. En fait, c'est un test en VR de la mission. Oh putain, vous saoulez, c'est incroyable. Putain. Donc du coup, Dio, ton jeu, tu l'as fait, ok. Oui, je l'ai fait longtemps. Donc ouais, donc du coup, je suppose ça passe, ok. Oui. Pour le sniper au loin, il va te tirer dessus aussi, étant donné que... Normalement, il me voit plus puisque je suis descendu. T'es descendu au niveau de le sniper, mais il te voit quand même. Tout à l'heure, c'est juste que vous étiez sur le bâtiment. Ok. Donc là, il te voit de toute manière. Ça dépend si il y a le bâtiment devant, en fait. Tu as le droit à un jet d'esquive. Bah, en fait, t'attends. Ça va être chaud, là. Hein. Je pense voilà. Que j'ai une idée pour mettre à jour l'esquive. Hein. Je pense que j'ai une idée aussi pour mettre à jour l'esquive. On verra ça après. Genre, bah, il y a le bâtiment juste devant. Mais en fait, Scanis, ce qui te passe, c'est que le combat de contre-jour, j'ai tendance à ne pas faire de stratégie, à faire bah, au front, genre sans que les gens tentent de se planquer, en fait. Donc, c'est surtout... voilà, quoi. Attends. J'ai l'habitude que les deux se tapent comme des cons sans trop utiliser les pouvoirs de tel ou tel, même où en abusant des mécaniques qui existent déjà. Donc, j'aimerais bien voir... c'est drôle, les mécaniques. Oui, les joueurs ils vont toujours exploiter tes mécaniques, donc fais gaffe. Du genre l'élan, j'adore l'élan perte. La porte, c'est un exemple. Mais la porte, de toute manière, tu l'auras plus en fin de partie. Donc voilà. Bon, continuons. Mais c'est 15 dégâts max, ouais, c'est 15 dégâts max en critique, mais c'est des dégâts max, tu vois, au minimum, il peut faire genre 5 de dégâts. Donc bon, je te laisse un jeu d'esquive de Dio. Sinon, okay. Sinon tu meurs là. Hein. Ah, ah au bas, KO Dio, KO. Ça fait 2 KO. Il tombe au sol. You are dead, non, mais bon. Not big surprise. Il tombe au sol, et il se prend encore plus de dégâts. You. Ouais, il tombe au sol, mais il se prend 2 dégâts de plus, voilà, point. À moins 2, félicitations. Du coup, autour des autres, le gros va taper soit Celeritas ou soit Sguiz. Je vais faire un des deux pour le voir. Lequel oh, soit je l'énerve bien depuis tout à l'heure, il paraît qu'il comprend pas. J'esquive tout. Bon, il va taper Celeritas. Bah, il vient de voir qu'il y a Celeritas, donc autant taper les deux. Enfin, il va, pas taper, il va pas taper les deux en même temps, il tape un des deux. Je me fais peur d'un coup. Oh, il se tape lui-même. Oh oui. Oh putain. Qu'est-ce qu'on va faire Il se casse la gueule. Il se casse le bras en essayant de taper. Donc Celeritas, il va taper de haut en bas. En fait, il va te rater, il va taper dans son tibia. Vous aurez un gros crack. Ouais, il se prend ses propres dégâts. Est-ce qu'on a des jets d'opportunité, lol? Vous avez tous les deux droit à un jet d'opportunité. Oh, de combien, là? Bah, c'est sur une attaque simple, en fait. Et eux, ils ont tous les deux un jet d'opportunité. Ok, j'arrête. Bah, c'est une attaque simple. Bah, moi, genre, mon couteau il fait, je crois, 3 ou 2, je sais plus. C'est un couteau, une arme blanche. Mais tu lances quand même un jet pour attaquer, hein. Ouais, bah, de combien un roll de combien? Bah, un dé ta force, voilà. Ah, okay. Bah, soit après, tu peux faire. Mais non, pas 8, non. Genre, tu fais un dé 20 et. Tu fais des techniques spéciales, comme ça, il te dit, bon, bah, c'est de l'adresse, c'est pas de la force. Ah bah bon bah c'est yes. Bah... Ah deux fois d'affilée hein. Non mais toi aussi d'ailleurs tu prends. Bon Sguiz, vas-y, tente de le tuer vite. Bon bah écoute, je lui mets ma pomme de la main derrière la tête et boum. Vas-y. T'es fait de dégâts du coup. Cool. Tu sais que tu as un allié à côté de toi.
qu'il va péter aussi. Oui, mais le dégât, en fait, les dégâts ne correspondent pas au rayon de l'explosion. Ouais, et comme c'est à partir de mes mains, c'est. Échec, à cause de son échec, il s'est collé à l'ennemi. Mmh. Ah, bah. Voilà. Malheureusement, oui, mais il y a le mec devant, tu vois, parce que j'ai fait derrière. Ah, si tu fais derrière la tête, c'est tout. Ça va faire du shrapnel de crâne. C'est pas grave. Voilà, du shrapnel de crâne. Écoute, tu l'as dégagé 12 fois, tant pis. Hein, t'arrêtes voilà. De faire chier. Donc, déjà, le gros, t'as son crâne qui explose net. Aise, j'ai pas besoin de tourner, franchement. Quant à toi, Celerita, tu vas te prendre 4 dégâts de shrapnel. Ouf. Bon, bah j'étais déjà à 2 de PV, donc c'est terminé, hein, les gars. Bon, c'est bah je vais fouiller ton cadavre. Bah, techniquement, non, t'es pas mort, deux, d'ailleurs. Donc je suis vraiment mort. Bientôt 3. Non, t'es bien mort, 3 d'ailleurs. D'ailleurs, bientôt 3, on va failler la mission. Pour mourir, il faut que vous passiez à vos points de vie, mais en négatif. Ouais, je suis en moins 2 là, donc je suis mort. Oui. Mais non. T'es pas à moins 8 en fait. Tu n'es pas à moins 8. Si t'as mis PV, tu vas tomber à moins 8. Il faut, voilà. Il faut que tes PV max deviennent il faut que t'arrives à tes PV max en négatif pour mourir. D'accord. Donc ça va. Le sniper devrait continuer de me bully, tu vois, sur mon corps. Pour l'instant, on va passer à Siv. On va faire les gens qui tapent Siv. Il restait pas. Non, j'allais dire, il restait pas. Le larbin. Allez-y, les gars, tapez-moi, je suis déjà mort. Le larbin va te tirer dessus, Siv. Il te rate. Le sol en fait. Tuez-moi, bordel de merde! C'est l'homme, tuez-moi! Bon, le grand, il va t'arriver dessus, il va faire une grosse attaque avec son. 20. Ah, quand même. Est-ce que tu veux esquiver? Allez! Je vais utiliser mon pouvoir des vecteurs pour décaler son attaque. Vas-y. Trop qui vient! Ça passe! Donc tu décales son attaque et à la place de te taper dessus, il te tape à côté. Enfin, il tape à côté de toi. les deux qui sont là vont se faire. C'est tellement ridicule! Comme ça, ils vont tirer sur ce guise. Oh non! Ouf! No. Il tire sur son allié. Les balles! Alors, il est plus à côté de lui, donc ça va être dur. Les balles se touchent en l'air. La balle ricoche et va dans la tête de son. Elle revient dans le dos. Ah non, je sais. Donc, déjà, il y en a un qui risque de toucher ce guise. Donc, déjà, fais-moi un jet d'esquive. Non, quoique, non. Attends. Qu'est-ce qu'on venait de dire pour les tirs? J'ai oublié. Genre les deux tirs se touchent et du coup ça annule. Non, je parle pas de ça, mais je parle pour l'esquive des balles de pistolet. Genre, si je t'en rien, moi. En soi, il m'avait déjà tiré dessus, donc je sais qu'ils sont là. Ouais. Donc, tu peux te mettre à couvert, mais avec malus de 2. Bon, ok. Esquiver avec malus de 2. C'est pas grave, j'ai gymnaste. Écoute, je suis à 16. Hein. Fuck. Tu rates, tu te prends 2 points de dégâts. Et quant à l'autre, il va tenter de tirer, mais t'as son pistolet qui va. Donc t'as la. C'est pas la calandre. Comment t'appelles le truc au-dessus pour recharger? Ah, pour recharger? La culasse. Non, pas la culasse. Oui. Attends, quoi, pour recharger? T'as un truc au-dessus que tu. Non, pas pour recharger, t'as un truc au-dessus que tu. Tu fais cric-cric là! Ah, c'est la culasse. Le Medic TF2 de la force. Ouais, le truc pour faire cric-cric là au-dessus. Ah, putain, comment ça s'appelle? Je crois que c'est la culasse, hein. Bah culasse, donc t'as la culasse qui saute en fait de son pistolet. Donc voilà, donc t'as la culasse qui saute et t'as son pistolet qui se démonte. Mais tu vois, du coup il sort sans katana. D'abord ça va être les deux sur Doppler, du coup les deux sur Doppler vont l'attaquer. Il n'y avait pas un qui était mort mais comme ça, genre quand j'ai chargé, j'ai pas mis de dégâts. Non, tu les as ratés. Ah, j'ai tout raté depuis le début. Ils t'ont esquivé. Ok. 2d20. Non, bon, rien, mon perso. Force de l'arbin. Il y en a un qui te touche, il y a l'autre qui te rate. Et moi, j'ai pas l'esquive. Tu as le droit d'une esquive. Ok. À ce niveau-là, c'est plus une parade ou une déviation de balle. Hein, parce que... Ouais, je sais, mais il peut esquiver en ours, il a une stat. Mais. Je pense en vrai l'esquive, il faudrait la nerf, mais il faudrait up les autres moyens. Ouais, comme ça, ça éviterait de faire des buffs ou l'esquive. On verra ça après.
Mais j'avais demandé aussi un channel, encore une fois, toujours pas. Sirius, mais toujours pas. Parce que si vous mettez un channel, on pourrait mettre les différentes mécaniques directement à la vue de tout le monde. Et on pourrait les mettre à jour au fur et à mesure si besoin. Au pire. Le truc est que, bon, derrière, là, on n'a pas le channel du coup. Ce serait bien qu'en fait, ce JDR devienne un JDR de la cave à part entière. C'est pour ça qu'on veut le channel. Mais c'est pour ça mais je veux dire un peu comme Agaroth ou tout. Oui, c'est pour ça qu'il nous faut un channel. Non, plusieurs channels. Attends, c'est sûr, hein, parce que franchement. Même un vocal à nous-mêmes, comme dans Magie. Mais pensez, hein. Oh là là. C'est pour ça qu'il nous faut genre un truc, un salon qui nous est dédié en fait. Pas un salon, mais un channel, voilà. Enfin, bref, voilà quoi. Continuons. Une catégorie. Il nous faut voilà, une catégorie héros de Lucan dans laquelle on pourra mettre genre, les mécaniques, les rankings, les récompenses, comment fonctionnent les points destin, comment fonctionne le ranking. Exactement. Les différents c'est bon, j'ai bien réussi à esquiver ou pas là ou... Parce que j'ai fait un truc de fois, t'as fait combien t'as réussi à esquiver. Le truc, c'est que Sirius ne nous met pas notre bah, ce qu'il nous faut, quoi. Et je reviens. Donc on n'a rien, on peut pas tout faire clairement pour que les joueurs aient accès facilement, voilà. Ich bin ein patate. On a pas ce qu'il nous faut à disposition malheureusement pour que ça soit clair et précis à tout le monde. Donc bon, écoute, faites tous les réclamations à Sirius. C'est carte folle. On finira par. Ok, faire... on va tous faire une réclamation à Sirius, mais on l'a fait où? Tu l'envoies MP, mon gars. Ok. je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon. On sait pas comment non, faire. Non, mais c'est comme ça. Continuons plus. Continuons pour l'instant. Donc du coup, c'est au tour de Evan McCarney. Tous les autres personnes, tous les autres ont fini de jouer. Bon bah, écoute, je vois qu'il y a un super qui, enfin, méchant qui est en vrai, drone collecteur de. Tu as vu aussi que des gens ont tiré de par là. Je me frotte les mains, je vais envoyer mon drone collecteur de. Voilà. Très et bien. Ensuite, donc tu... Drone collecteur de quoi pour l'envoyer, fais-moi un jet d'intérêt comme tu l'avais fait pour l'autre drone. C'est bien, tu arrives à envoyer ton drone et il va collecter le sang. De qui? Monsieur Trévite. Monsieur Rapido, ok. Tu vas collecter son sang, ok. Voilà. Il y aura aussi un nerf à faire là-dessus, je suis d'accord. Non, je rigole. Pour la science, hein. Pour la science, très bien. Et du coup, bah, je vois qu'il y en a un qui est un petit peu dans la merde là-bas. Je vais commencer à me diriger vers lui. Le mur est pété. D'accord. Je sors le shotgun et puis je tire, quoi. Donc sur lui. Bon, on s'en fout. Vu la gueule qu'il a, pour moi, c'est un rhinocéros, un ours. Bon, voilà, quoi. Il va pas prendre trop de dégâts, tu vois. Fais-moi ton jet de pierre, du coup. 20 et rate encore. Ou pas. Ouh, double dégâts sur tout le monde. Allez. Combien de dégâts ton fusil à pompe? 3. 3 ah, dégâts, ok. Alors, l'autre personne n'a droit à un jet d'esquive, donc tout le monde va se prendre 6 points de dégâts. 6. Et ben, du coup, Doppler, tu te prends 6 points de dégâts aussi. Non, Sif, désolé, on n'est pas dans un shonen. En soi, l'adrénaline, ça peut très bien marcher à ce moment-là. Hein. Ouais, mais le poison combat d'adrénaline, voilà, point. Non, je rigole. Non, tu n'auras pas le droit à un baroud d'honneur. Ça serait... Tu as le droit à un jet de chance, par contre, pour voir si tu restes à un point de vue ou pas. Ce serait marrant, ça. Mais ça, c'est pour les gens quand c'est tout pile. Le sniper, lui, bah, il a vu des tirs en provenance de ce côté-là. Il fait signe à ses deux copains. Vont lui servir de couverture, donc il y a l'infirmière qui se fout devant, il y a le flingueur qui se fout devant. Puis les deux ils vont tirer, du coup, le flingueur et le sniper sur les deux là, quoi. Vas-y. Le katana en priorité, histoire d'éviter de faire plus de dégâts au corps à corps. Eh bien, les deux rates, malheureusement. Les deux rates, c'est triste. Donc on passe au suivant, on passe à. Bah, Celeritas, il est KO, Dio, il est KO. Steve, tu vas me faire un jet de chance. Ça marche. On connaît ma chance. Alors, on connaît ma chance dans les dés de chance, donc ouais, je vais pas avoir ma chance. Si tu réussis ton jet de chance, tu ne te prends pas les dégâts de poison ce tour-ci, donc le poison se termine.
Si tu rates ton jet de chance, écoute, t'es KO. Bah, je deviens inconscient, hein, tout simplement. Voilà. Fais-moi ton jet de chance. Oui, non. 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 Là, il y a Mario qui se retourne et qui fait non. Non. Tu prends les derniers dégâts de poison et tu tombes KO. C'est triste, c'est non. Non. Race, arrête de jouer avec de la Rex, s'il te plaît. Ah, vous voyez ? Bah oui, on voit. Bien sûr qu'on voit. Normalement, vous voyez pas, c'est écrit caché aux autres. Chut. C'est DMJ. Donc c'est au tour de Stoalk. Stoalk, t'es deux. Non, c'est vrai, il est parti. Ah non, je suis là. Ah, t'es là, ok. Donc les deux ennemis ont été mis KO par. Macarnis. Macarnis, mais tu t'es bouffé des dégâts aussi. Hein. Tu t'es bouffé 6 points de dégâts, je les ai enlevés déjà. Ah ouais, et ça a pris en compte l'armure que j'ai et toi ? Tu n'as pas d'armure là actuellement. Même avec ma combinaison qui me donne plus 3. Tu ne l'as pas mis dans tes stats. De quoi ? Attends, armure. Bah, tu ne l'as pas mis dans tes stats. Tous les cas, il y a 3 de perte d'armure. Mais si, c'était. Ouais, non, c'est toi, bah... stock quand tu l'as modifié, tu l'as pas remis. Ah ouais, autant pour moi. Donc, tu attends. Donc, si. Bah, tu te prends 3 de dégâts au moins. Ok. Non, il y a 3 de perte. C'est une arme lourde. Oui, mais il a fait double dégâts. Il a fait 6, donc il y a 3 de perce armure. Ok, donc il ne prend que 3 points de dégâts. Non, mais le perce armure correspond au dégât divisé par 2. Du coup, il y a 6. Je suis d'accord, donc il se prend 3 points de dégâts. Voilà. Alors, non, vu qu'il y en a un, si tu pars du. En 4 ou moins. Tu peux faire une action combinée ? Bah, non, il prend 3 points de dégâts. Donc, c'est 3 points de dégâts de base avec 1 de perce armure. Ça fait tes doublés, donc ça passe à 6 avec 3 de perce armure, donc il se prend 3 de dégâts, étant donné que bah, il peut réduire les dégâts de 3, mais il y a 3 de dégâts. 6 dégâts avec 3 de perce armure. Ça dépend comment si ça fonctionne. Fais... Genre... Non, mais tu me dis 6 de dégâts avec 3 de perce armure. On tape. Mais même il aurait que 3 de dégâts. 3, ou alors 6 divisé par 2, dans tous les cas, il se prend. Le perce armure, en fait, tu dois pas compter ça comme des dégâts qui annulent l'armure, c'est des dégâts qui. Sont les dégâts minimum que tu feras en fait dans tous les cas. Même si l'ennemi a de l'armure, ce sera les dégâts minimum dans tous les cas. J'ai pépé, putain. Ok, et du coup là les personnes à côté de toi, ils sont morts ou c'est une croix ? Je sais pas. Non, ils sont morts tous les autres. Ok. Donc là j'ai pas l'information de où sont les autres. Donc je vais juste retourner. Justement, je te l'ai dit, on a deux dans le couloir. On commence à tous se faire désinguer. C'est peut-être le moment de penser à fuir, tu vois. Ah ouais, tu veux qu'on fuit, là ? Ah, je sais pas, tu proposes quoi d'autre ? Bah, je sais pas, moi, je suis en pleine forme, là. D'accord, bon, bah, écoute, je reste derrière toi. On peut tenter des trucs, pourquoi ils font vraiment mal, genre, ils sont plus dangereux que ceux que je viens de voir, là ? Ah bah, ils ont quand même mis Salas à mes alliés, hein. Enfin, mes larbins. Et, ok, est-ce qu'on a l'information, combien d'alliés on a encore, là ? Avec les oreillettes, j'en entends que 1, 2, 3, 4 autres. Il y en a qui est en train de perdre le souffle là-bas, je sais pas ce qu'il fout. Ok. Hein ? Mais il a envie. Attends, c'est qui a le point Trod ? Quoi ? Il appelle tout Trod. Allez, c'est quoi ? C'est qui Trod ? C'est la personne là, qui a un des pouvoirs d'explosion là. Non, ah, c'est Guise. Guise. Ok, il va bien lui, il n'y a pas de soucis. Guise. Ah. Tu vas bien, Guise. Il est juste à côté de toute façon. Bon. Ok. Ok, bah du coup, bah, il y a pas de. À 3, on les détruit, je pense. Non. Oh, écoute. Hein. Mais je vais avancer, je passe par là où il y a le trou. L'arbin fond, distance. C'est un bouclier humain, donc tu peux y aller. Je vais regarder à distance. Okay, voilà. Tu peux faire 30 feet. Tu peux y aller normalement à 30 feet. Ouais. Tu okay. peux même leur charger sur la gueule. Ouais, je leur fonce dessus charger. Là. Tu auras okay. même de l'élan de 16 pieds. Donc combien ça fait combien de dégâts en élan ça ? Bah s'il court depuis là où il est, il a 30. S'il s'arrête là, bah il a 16 feet. Donc 6 mètres à peu près. Mais s'il commence et si depuis le début il le fait, bah il a 10 mètres. Ça dépend. Étant donné qu'il doit passer par-dessus le truc ici, ça va lui couper un peu son élan, donc je vais dire qu'il a de... 16. Voilà, qu'il a 16 pieds, donc... Enfin, en soi, ça c'est... Ça fait 2... Ça fait combien de dégâts d'élan, ça 16, suite, ça fait 3 mètres à peu près... Non, 5 mètres. Du coup, 2 à peu près. 2 de dégâts d'élan. Ouais, il y a 2 dégâts d'élan, s'il les touche tous les deux. Ok.
Donc là, faut que je fasse un jet de force. Et est-ce que du coup, ouais, j'ai plus 2 de dégâts en forme d'ours, c'est ça hein. Plus 2 de dégâts, plus 2 de dégâts d'élan. Donc ça fait ton jet de force. Fais-moi juste ton jet de force pour l'instant. Ok. Pour y toucher tous les deux. T'as un ours qui leur fonce sur la gueule, ils ne savent même pas ce qu'ils foutent. Ce qui se passe. Alors, ils vont devoir avoir un jet d'esquive tous les deux. Il y en a juste un qui va avoir un malus de 4, je vais dire, parce qu'il n'a pas vraiment d'endroit où esquiver, sinon il va se faire écraser par l'ours dans tous les cas. Okay. Bah écoute. Les deux sont morts. Aucun des deux esquive. Donc, fais-moi. Alors, tu as combien. Alors, en dégâts d'ours, tu as. Alors, il faut que élan plus 2, plus 4. Non, c'est spécial parce que aussi t'as tes pouvoirs de super, t'as tes dégâts de super force. Ok, ah oui, en plus, ouais. Super force, donc tu fais dégâts d'armes lourdes plus 2, donc 5 de base. Plus 2, plus. Plus 2 d'élan, plus 2 d'ours, ça fait 5, 7, 9. Et c'est tout. Bah écoute, tu leur rentres dedans et tu entends deux gros cracks. Tu vois qu'ils sont un peu pliés, pas correctement. Donc en fait, ils sont pliés vers l'avant, certes, mais ils sont trop pliés. C'est-à-dire tu les as cassés, t'as cassé des jouets. Voilà. Donc, là, ils sont éjectés contre le mur, celui-là s'est éjecté contre le flanc de la porte. Ok. Donc ok. Ouais, bah ça va alors. Et là du coup, ils ont combien de d'HP au max hein? Je leur ai mis 9 chacun, c'est ça? Donc, tu leur as mis 9 chacun. Il reste. Et ils ont, il leur reste combien? Ah, du coup, ils sont morts les deux là? Ils avaient pas ouais, okay. Morts. Attends, okay. Laisse-moi juste trier des trucs. Il reste 2 snipers et 2 dans les couloirs. Voilà, je trie, voilà. Je trie les corps, hein, vous en faites pas. Voilà. Du coup, Stoalk, tu viens d'agir, donc ça va être au tour de Sgiz. Bon, bah, il reste qui? Il dirait que les deux snipers, un larbin et un gros. Je sais pas où est-ce que tout le monde se trouve. Donc... En fait, je savais qu'ils sont en bas, donc bon, mais ils sont loin, donc ça fait chier. Chier. Est-ce que je peux me déplacer plus loin si je fais des explosions? Ouais, mais tu auras besoin d'un jet d'adresse pour te déplacer correctement. Ouais, pour me rattraper et tout. Bon, je savais qu'ils étaient en bas, faut aller les aider. Je passe par là, je fais. Reason to run, ready for life. Ouais. Je fais. Je me propulse en. Après, je vais prendre le virage, je vais prendre le mur là parce que. Voilà. Je te propose, tu peux t'éjecter jusqu'à 15 pieds grand max. 5 pieds par dé. Au lieu de 1d4 de dégâts, tu fais un dé de bonjour. 5 pieds en fait. Mais non, c'est 5 pieds d'office, je propose comme ça. Je peux aller jusque là. Mais tu peux faire qu'une fois. Hein. Ouais, mais je peux aller jusque là parce que j'ai 15 pieds pour insulter 30 feet. Ouais, je sais. Je m'arrêterai dans le coin parce que bon. Ouais. Je fais ça. J'ai une adresse pour t'aider. Voilà. La gueule. Ça passe pas. Ça passe pas? Est-ce que c'est de la gymnastique? C'est un peu complexe pour de la gymnastique. La gymnastique, ça peut être à peu près tout. Non, tu te cognes là. Bonk. Aïe. Bah, je vais ramper. Non, tu perds pas de point de vie, t'inquiète. Ah, t'as pile la distance nécessaire pour y aller. Ouais, je joue au flou et je m'arrête là parce que bon. Parce que c'est rigodrôle. Adieu, Sgiz. Pour voilà. Toujours. Donc, Sgiz vient d'agir, bon, c'est autour des méchants. Enfin, putain, est-ce que ça demandait de la précision? Non. Merde, j'aurais pu avoir un bonus d'adresse. Donc, du coup, Siv, il est KO, donc bon. Ils vont pas s'occuper de lui. Il va continuer d'avancer dans le couloir. Bonjour! Et il va voir Sgiz, il va lui rush dessus pour l'attaquer. Je peux vous proposer une magnifique carte! Alors, il rush sur 7 pieds, donc il a droit à. Un dégât d'élan, il me semble. Ouais, à peu près. S'il te touche, évidemment. Oui, on va faire ça. En mètres. Tout ce que je veux dire, c'est. Ah ah, il fait que 2 mètres, il n'a pas de dégâts d'élan en plus. Pas de dégâts d'élan, ok. Mais il te touche. Je skie. Vas-y.
Pourquoi il me charge l'éléphant? Wait. Je fais une glissade arrière, tu vois, je réussis. Ouh, nice. Tu arrives à reculer, attends. Ah, t'es nul! Seul toi arrière vers là. Un tour de l'autre, il va avancer dans le couloir. Alors, son allié devant lui est trop imposant pour qu'il puisse tirer, donc il va juste attendre d'avoir un angle de vue, donc il va être en sentinelle. Ah, t'es gros, l'autre, il voit pas. Voilà. Autour de Evan McCarnis, les snipers restent en position et s'apprêtent à tirer sur toute personne qui pourront voir. Ok. Je connecte mon microbot de piratage pour voir si j'arrive à accéder à toutes les caméras du réseau qui ont été éteintes. Elles sont toutes éteintes, donc... Reboot. Bah pour les reboots. Ouais. Ok, fais-moi ton jet d'intel, de toute manière. Ça ne passe pas. Triste. Je regarde ce que j'ai d'autre en gadget. Hein. Ouais. Bah pendant ce temps, tu peux aussi décider de ce que font tes larmes. Ça ne servira à rien. Les libraires vont me servir à rien. Ah si, peut-être. Je vais lancer les nanobots libraires pour tirer les dernières données de chaque caméra. Même si elles sont éteintes, c'est possible de les sortir. Ok, ça sera quand même des jeux d'intelligence en fonction du nombre de bots que tu libères. Ça marche. Tu en mets qu'un seul? Bah, je libère toute une nuée, l'idée c'est qu'elle se propage dans tout le réseau, donc si ça me prend un tour ou deux, c'est pas grave. Ok, en fonction des caméras, attends, il y a combien de caméras? 1, 2, 3, 4... Tu vas toutes les compter, putain. Il y en a une vingtaine, tu me dis. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, il y en a 25, ouais, il y en a 25. Il y a même ceux du basement, attends. 26, 27, 28, 29, il y en a 30 tout pile. Ok. Donc ça va prendre 3 tours. Très bien. Bah, je suis là, je parle dans l'oreillette. Je suis en train d'analyser les dernières images perçues par les caméras pour savoir où ils sont. Voilà. Ils sont pas du camp. Bon, Celeritas, il est KO. Dio, il est KO. Civ, il est KO. Bah, il y a le larbin avec sa seringue qui attend dans le côté. Lui, il arrive avec son flingue. Attends, si je le fais avancer. Comme ça va être autour de Stoelk. Ah putain, il arrive pas. Bon bah écoute, voilà. 29,5 je suis, malheureusement. Ok, triste. Et lui, avec son sniper, il va se foutre dehors. Il va commencer à pointer un petit peu autour pour voir s'il trouve le sniper. Pointer autour. Alors, tu oui. vois au-dessus du bâtiment le sniper qui est comme ça, mais il était en sentinelle, donc il va te voir aussi et te tirer dessus. Merde. Bon, mais on se voit tous les deux, écoute. Sauf qu'il a l'avantage. Ah bah il te rate tout pile. Tu vois, t'as une grosse motte de terre qui éclate là. Bah, ça me donne l'air et je le rate aussi. Combat ouais. d'aveugle. Ça fait quand même beaucoup de morts. Hein. Mais non. Autour de Stoelk. Allez. Allez, Stoelk. Au pire, on met tous en suggestion et amélioration un salon pour les héros de Lucan. Allez. J'y vais. Non. Non, parce qu'avec Skarnis. Une catégorie. Pour le JDR. Héros de Lucan. Du coup, Stoelk. Stoelk, ça doit agir. Stoelk. Faites face au vent. Andia, il est mort. Oh non, il est mort. Il a disparu. Ah. Ah. Un bip. Non, c'est un peu qui m'envoie. Ah. Ah. Stoelk, il est en muet, donc je pense qu'il est peut-être parti manger. Oh putain! Sirius est connecté. Il est connecté depuis un petit moment, hein, Sirius. J'avais même envoyé un message en privé, mais il m'a pas répondu. Mais arrêtez de le spam. Le pauvre. Oh. Il fait pas son taf. Il s'appelle l'épuisé. T'as vu? Il tente qu'on prenne pitié de lui pour pas lui demander. Bon. Est-ce qu'il est là, Stoelk? Oui, je suis là. Ah, okay. C'est lui, Stoelk. Ouais. Bah écoute, Evan, il est en train de faire des trucs avec ses lentilles, mais il hurle. Il y a un sniper du côté là-bas.
Ok, ouais. Ouais, ça c'est. On a pas plus d'infos. C'est ton mec qui te le dit. En 6 secondes, il peut pas te dire plus. Il y a un sniper de ce côté. Ok. Voilà, d'ici, il m'attend pas. Bah, il est dans. Toi, t'es bien là où t'es ou pas? T'es safe? Je suis en train de tenter de choper toutes les images, les dernières images perçues par les caméras pour savoir où ils sont actuellement. Enfin, où ils étaient. Ok, et là dans mon couloir en bas, là, j'ai des infos ou pas? Non, pas encore. Pas vraiment, tu as entendu genre un gros. Un boom entre guillemets. Tu as vu Zgiz qui est parti, mais sans plus. Il est parti, mais comment genre? Je l'ai vu partir bah, comment genre, vu, en s'affolant ou... Non, il est parti là-bas en courant pour aller aider des gens. Et ensuite, tu as entendu un gros boom, comme quelque chose qui tape le sol avec une grande force. T'as aussi entendu un T'es trop nul. Ok. Bah, du coup, je vais aller voir, je vais voir si tout se passe bien. Vas-y. Bonjour. Apparemment, il y en a un qui est trop nul, donc. J'espère pas qu'au mur, s'il y a un ours qui passe, mais bon, je sais pas si tu passes. Bon. Allez, on va dire qu'il passe. You're too fat. Fit en mètres, ça fait combien? Se glisse dans la petite salle à côté, okay, si tu veux. Okay. Ça fait à peu près un mètre, tu vois, donc bon. Le mètre de large, tu vois, t'as ton cul, il racle le mur. Hein. Ok, donc là, je vois qu'il y a des gens, là. Genre, je viens de me déplacer, je peux faire quelque chose ou pas, après? Attends, donc tu t'es déplacé d'où? Tu t'es déplacé de là, tu peux lui foncer dessus. Je considère que ce guise est assez petit pour passer en dessous de toi. 1m30, 1m40 quand même. Hein. De toute façon, je peux tenter un petit bond ou. Tu me tombes dessus, je meurs par contre. Je te fais un saut de mouton là. Tu peux tenter un saut de mouton pour sauter sur la cible en face. Ouais, ça, voilà. Je te volais, tu sais. Alors, pour sauter au-dessus de quelqu'un, étant donné qu'il est très petit, je vais pas demander de jet. Ok. Ça devrait aller. Mais tu vas devoir me faire un jet de force pour sauter sur l'adversaire. Ok. 20, bon bah tu me tombes dessus. Hein. 20. Je voudrais littéralement dire que ma seule action s'est passée techniquement en RP pendant 2 minutes. Hein. C'est-à-dire que j'arrive vers un gars, je me fais tirer dessus, il y a un autre gars qui arrive, je me casse, je cherche de quoi me soigner, et après je vois un gros gars, je lui fonce dessus, je meurs. Hein. Voilà. deux minutes de. Mais c'est pas de chance, hein, écoute, moi j'y peux rien, c'est juste t'as pas eu de chance. On a eu un joueur, il s'est fait one shot. Franchement, ah, Greg, ouais. Tu mets pas mal de joueurs KO ou meurs, hein, franchement. J'y peux rien, c'est hein, comme ça. Je crois qu'il y a un problème d'équilibrage, hein. J'y peux rien, alors c'est vrai, il y a un joueur, il a même fait genre 0 action, il s'est fait mettre KO. On devrait nerf Grac en fait. On devrait nerf lui. On devrait nerf le MJ en fait. Il devrait. Il met beaucoup. Pas mon attention. Pas mon attention. Nerf Grac. Moi je dis, on est. Si Alias il est d'accord avec moi, t'es obligé de te nerf. Hein. Ouais, mais Alias, j'ai un peu un couteau de chat, je peux le menacer si jamais il y a problème. D'ailleurs, Alias, fais gaffe à ce que tu écris là. Alias, t'es caté, je viens de secourir en. Ok, mon action a réussi ou pas? T'as fait 11. Donc c'est bon. On va retirer sa voix. Attends, t'as fait 11. Alors, le mec en face de toi va faire un jet de force pour s'opposer à toi. Ok. En fait, là, ton but, ça va être de. Ben. Là où tu tentes de sauter dessus, ce qui risque de le plaquer au sol, il va plutôt de. Te plaquer au sol. Tenter de te plaquer au sol. Bon, l'ours. Me plaquer, moi, l'ours. Ok, ouais, ça marche. Combien de fois? Il doit être sacré fort quand même. T'as 4 points de vie en force, t'as 4 points de vie en plus, t'as 4 forces en plus, autant pour moi aussi. Et tu as 2 d'armure de base. Dis-moi, combien as-tu en force là actuellement? Comment? Tu as combien de points de force là actuellement? Je veux dire ça. J'en ai 14. Ah non, 14. 14 plus 4, ça fait 18. Donc il va faire un jet d'opposition avec un malus de 1. Okay. Alors, je veux bien que le mec il soit fort, mais. Échec. Du coup, c'est plus 1. Hein. Non, moins 1. Pas oublié. Moins 1. Plus c'est autant pour moi. Mais donc, de toute manière, il rate. Il tente de plaquer au sol, mais tu arrives à le plaquer au sol avec des dégâts. Combien de dégâts fais-tu déjà sans élan? Tu fais 5 plus 2. Ouais. Donc, tu lui fais 7 de dégâts avec 2 de réduction d'armure.
Voilà, donc tu te trouves sur lui. L'autre était en sentinelle, il va en profiter pour te tirer dessus maintenant qu'il a de la place. Ah putain de bordel. Il était planqué par je vais ton couvrir ce qu'il est à moi. Tu n'as pas le droit est-ce, que je... est-ce que je peux faire une action défensive? Attends, mais deux secondes parce qu'il se prend pas les dégâts, de toute manière c'est un pistolet simple. Oh. Donc c'est maintenant au tour de Sgiz. Sgiz, ton ami Stoalek se trouve sur une sur un ennemi. Bon bah. Qui a mis une croix sur mon perso, il est pas mort, il est un. Oui, tu as une croix. Si tu étais mort, je mettrais ceci. Crâne. Bon bah. Ah, c'est crâne, est-ce que l'ours il a tellement un gros cul qui bloque tout le couloir? Tu peux. Bah, étant donné que l'autre a tapé le sol avec un gros fracas, t'as des petits débris de planches au sol. Que tu peux prendre et envoyer en cloche sur l'autre ennemi derrière, si tu veux. Faire ça. Non, mais j'étais en mode, je vais tirer dessus, mais ouais, écoute, autant faire ça. Non, parce que ouais, il cache un peu la vie de l'autre, ton ami. T'as un gros cul, mais c'est pas grave. Je prends un bout de planche, je commence à en sortir bon, je fais Kobe. Alors, pas un trop gros bout de planche, sinon lui aussi, il va se prendre des dégâts. Ouais. Fais ton jet, du coup. Est-ce que ça demande une certaine précision? Tandis que tu vois pas la cible, oui, mais t'as tireur d'élite, je suppose. Non, j'ai tireur d'élite, mais en plus j'ai un truc qui donne plus 3 si c'est de la précision. Bah, c'est de la précision. Bon, ça passe dans tous les cas. Voilà. Donc, Kobe coup, tu fais Kobe, fais-moi tes jets de dégâts. Boum. 8 points de dégâts. Le Kobe boom. Au moment où ça lui arrive devant, tu lui exploses son bras. Donc, c'est con. Donc le joint entre son bras et son corps se détache carrément. Donc t'as une partie du. En fait, t'as le morceau d'épaule qui est explosé. Et tombe au sol mort. T'aimes bien démembrer les gens, toi aussi. Genre ouais. les bras en moins, l'autre il a plus de bras. Bah quoi? L'autre il perd ses épaules. C'est quoi le problème avec les démembrements? Je suis d'accord, c'est quoi le problème? Putain, j'ai plus de jambes en moins, c'est ça, hein? Oh non. Il va se déplacer, mais qu'en volant en permanence avec ses explosions. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, parce que même pour Siv, c'est moi qui. Ah non, c'est Hilary qui lui avait enlevé un bras. Si, c'est lui-même qui s'est dit bon, ouais, je te propose un bras. C'est vrai. non, c'est moi. Je suis allé en mode qu'es-tu prêt à me donner? J'étais en mode vas-y, mec. Donne un bras. Je te donne un bras, tu me donnes le meilleur katana du monde. C'est pas ce que tu proposes, mais ça doit coûter un bras, Ono. Autour des méchants, alors il y a celui tout en haut qui va tirer sur ton larbin, Escarnis. Ouais, pas de soucis. Oh putain. Le canon, il pète à la gueule. Il tire, mais avec le recul de l'arme, alors déjà il rate. Mais avec le recul de l'arme, ça vient lui cogner dans l'œil, donc il va perdre 2 points de vie. Ponk. Voilà. Il perd 2 points de vie et il lâche son flingue vers le bas du bâtiment. Ah bah bravo. Il n'est pas couvert, tu as droit à une attaque d'opportunité avec ton larbin. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Pareil pour Robin, il rate, tape dans l'œil, arme qui tombe au sol, voilà. Ah mais le combat d'infirme, les deux ils font la même depuis tout à l'heure. Le pire c'est qu'ils font les mêmes jets depuis tout à l'heure. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué. Macarnis, tu ne sais pas, mais ton larbin vient de rencontrer son âme sœur. Ah bah. Attends, c'est le sniper gay lui? Mais oui. Oh mais non, il a déjà rencontré son âme sœur. Oui, il est espion, il est dans le bâtiment, il est là. Il le trompe, l'espion ne va pas être. Ça va être autour du mec qui est bloqué en dessous de Stoel qui va tenter de te pousser en arrière. En plus, c'est trop mignon, ils sont connectés, genre. 5. Tu as droit à une position de force. Tu as un bonus de 1, donc tu vas faire ton jet moins 1 donc, pour le résultat au final. Moi, je dirais plus au stat parce qu'il y a quand même le cap, tu vois. Plus de quoi? Genre, je dis juste au stat, tu vois, il se rajoute plus 1 en lui. Et il fait 1 des 20 moins 1 en fait, donc. Oui, mais par exemple, s'il fait 18, ça passe à 17, ça passe. Ouais, mais c'est pour ça, le moins 1, ça va revenir au même, parce que s'il fait 18, ça passe à 17 dans tous les cas. Oui, mais s'il fait 18, ça passe pas. Oui, mais c'est à ce moment. Mais non, s'il fait 18 moins 1, ça passe à 17. Donc ça passe. Mais c'est un bonus au stat. Ben oui, en soi, oui. Donc pas au cap DG. Non, mais pas au cap DG, parce que dans tous les cas, 18, c'est un échec. Voilà, donc s'il fait 18, mais qu'il a un bonus, même ça passe pas là. Bah si, parce que s'il fait 18, ça passe pas, mais s'il a le moins 1, ça passe à 17. Ah bah bravo. Ça passe pas. Stoel, fais ton jet. Fais ton jet moins 1.
J'étais juste un truc, ok, c'est bon ça. Tu as volé le dé. Stoelk. Stoelk, fais quelque chose. Il est reparti. Oui, pardon, non. Oui. Un des 20 moins 1. Je sais qu'on te fait chier. Attends, on va faire des débats de merde. Nice. Ah, ça passe. Donc il tente de te pousser, mais il n'arrive pas à te pousser. Ok. Autour de McCarnish, du coup, les snipers restent en place. Ils sont en sentinelle. Enfin, à part celui qui s'est tapé dans l'œil et qui est désarmé maintenant. Bah, il reprend son flingue, le sniper du bas. Hein. Il tire sur celui en haut. En plus, il a découvert, il a perdu son arme. Vas-y, oui, mais tu peux tirer. Je relance un mieux. Il va se faire un coquard le trail. Ouais, il continue d'avancer parce qu'il se dirige vers l'arme. Ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Ça passe pas, c'est vrai. Dommage. Autour des autres larbins, du coup. Alors, c'était quoi? Oui, lui, c'était l'infirmière. Donc, l'infirmière. Elle va commencer un petit peu à regarder ce qu'ont les gros cons là qui sont explosés sur eux. En train de pire. De quoi j'ai pas entendu? Infirmière, elle fait du loot, tout simplement. Elle va loot le gros en fait. Ouais, t'en avais plusieurs. T'avais un gros. Non, ici il y avait juste un gros là. Ok, bah, loot le gros. Vas-y, donc fais-moi un jet d'intel pour voir que tu loot. Enfin, non, pas un jet de chance, vas-y. D'accord. Bon, ce que tu vas loot, c'est sa batte déjà pour commencer, mais elle est devenue en mauvais état à cause des explosions de. Répéter de... Donc à place de faire 3 dés, de faire 1 dé, de faire 3 plus 2, elle va faire juste 3 de dégâts, c'est une batte lourde. Voilà. Ouais, donc... C'est parce qu'elle a déjà une seringue et que c'est la même chose avec un bonus en plus. Voilà, donc tu la prends pas du coup. Ouais, là. Voilà, c'est ok. C'est un truc de bourrin ces trucs. Sinon elle va faire genre 3 plus 2, mais étant donné qu'elle est en sale état. Elle... Lui avec son petit flingue, il se met à côté de ce guise et il essaie de tirer sur le gros lourd, mais comme c'est un petit flingue qui fait 2 dégâts, malheureusement, avec son premier de 2, l'autre il va rien prendre et de toute manière il rate le tir. Donc du coup on passe aux autres? Ouais. Ok, c'est parti. Dio, Siv, Celeritas, ils sont KO. Autour de Stoalk. Et il est reparti. Ah oh, bah bravo. C'est pas bien de se masturber durant une séance. Ah, mais je l'ai vu, lui. C'est pas qu'il se masturbe, c'est qu'il envoie un message à son crush, lol. Lol, on a retrouvé Dio. Il s'est fait exploser, il est en bas d'un bâtiment, lol. C'est toi, Hulk, t'es là? Est-ce que tu t'es pas juste remute? Dis-moi que tu t'es pas juste remute, s'il te plaît. Oh, là-haut. Le tragique, hein. Session qui ne s'arrête jamais. Mais d'ailleurs, techniquement, même KO, il continue à prendre des dégâts du poison, non? Non, oui, le poison, il a 5 tours, donc c'est tout, là. D'accord. Du coup, c'est serré. Ou alors, tu fais le poison de Minecraft, tu sais. Il continue, ouais. Malgré tout. Il s'arrête dans certains caps de PV, mais... Un HP, mais tu prends le moindre coup, t'es mort. Et... Ouais, t'es cool. Ben, si c'est toi que je joue pas, je jouerai à sa place. Mange-lui la gueule. Bah ouais, c'est ce qu'il va tenter de faire, en fait. Ah bah bravo. Un des deux, c'est un échec. Ça va être aux autres de ce guise. Tu fais chier dessus. Wait. Tu peux un guitare, c'est pas tout, hein. Est-ce que je vois. Est-ce que je peux lui tirer dessus tranquille avec mes côtes sous? Ouais, tu peux. Il y a de l'espace. Bah, je en mets fait, une balle. Il y a ses jambes qui dépassent et tout. Hein. Ce qui est bien, c'est que les balles, c'est unipersonnel. Ouais. Donc, c'est des balles, le risque d'explosion est minime. Je vais faire. Bon, ben. Bonjour, je prends une balle explosée. Je vous adresse avec un bonus de 2, étant donné qu'il est totalement à votre merci, en fait. Oh, comment dire? Ah, on mange des pizzas, putain. Oh bah bravo. Ouais, bah la séance est bientôt terminée de toute manière. Une fois Drac. Que vous aurez mis celui à KO, les snipers vont tenter de se faire. Drac, j'ai fait un 1. Ouais, j'ai vu, donc tu le mets KO de toute manière. C'est bon. Fais-moi quand même juste exploser, ils sont doublés.
Du coup, 6D4 ou 3D4? Non, tu me fais 3D4 et ils seront doublés. Est-ce que ça marche le x2? Attends, je vais tenter un truc. Bah, 3D4, tu fais 8 de dégâts total, x2, donc ça fait 16 de dégâts, il tombe KO. En fait, tu exploses les deux jambes, c'est ce qui se passe. En fait, c'est pas vraiment ça. Tu tires la balle, mais avec la puissance de l'explosion, ces deux jambes s'écartent de trop, et t'as au niveau de l'entrejambe, ça s'écarte. Disloqué. L'entrejambe. Allez, il est KO. Les deux snipers vont se replier. Ah, ça marche. Regarde. Voilà. S-game. Et du coup, la séance est terminée. Ouais, un snipe. Ouais, 5 de dégâts, donc 3 de dégâts. Voilà, je vous retrouve après pour qu'on fasse le ranking et les points de destin. Donc, en points de destin, vous avez déjà un point de destin, déjà pour commencer. Pardon, je vais combien? Macarnis, moi j'ai de chance pour le sniper, étant donné qu'il est tombé de genre 3 étages. D'accord. Enfin, oh. Réussite, tu obtiens un sniper avec dégâts lourds plus 2. Voilà, donc ça fait 6 de dégâts et 3 de perce armure. Moins 5. 5 de dégâts avec 2 de perce armure. Oui, mais comme c'est une arme lourde, en fait, ça fait 3 de perce armure, vu que 3 de dégâts... Non, ça fait 1 de perce armure de base, les armes lourdes. De base, ça fait 3 de perce armure. En fait, ça fait 3 de dégâts, donc 1 de perce armure. Grosso modo. Hein. Non, mais le perce armure, c'est pas des dégâts en plus. C'est des dégâts qui sont compris dans le dégât total, qui font du perce armure. Oui. Donc en 3, 2, ça fait 5 de dégâts, donc 2 de perce armure. Du... Ah d'accord, et 2 de perce armure, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Bon. Du coup, Y est parti. Pourquoi on veut percer armure? Hein? Moi théoriquement, c'est pas du perce armure, c'est du tranche. Mais... Xka. Je vais avoir 300 points. Xka, je crois qu'on t'a répondu. Bon ça. Ah oui. Non. Non, non, non. Les 300 points pour Xka. Là d'un coup, t'as Zgiz, il reçoit un message. Xerni fait rechercher. Il se tourne lentement vers toi. Oui. T'as Siv qui est réveillé par son téléphone. Oh oui. Attends, je vais... Oh oui, je vais vendre Sif. Oh là là, oui. De quoi? Des KO, je vais te vendre, mon gars. Comment ça, tu vas me vendre? De toute façon, t'as pas le droit. C'est une partie expérimentale, mon gars. T'as pas le droit. C'est une partie expérimentale, t'as pas le droit. Désolé. J'ai totalement le droit, mon gars. On va très bien. Ah non, c'est une partie expérimentale. J'ai totalement le droit, mon gars. Non, t'as pas le droit. J'ai plus le droit que toi, je suis MJ. Mais non, mais de toute façon, non. C'est une partie expérimentale. De toute façon, j'ai pas encore les 300 points, donc nique. Oui, mais t'es déjà dessus, en fait. Pourquoi? Ah non, c'est pas toi, t'as du cul, tu fais chier. Eh oui. C'est quoi le putain? C'est l'autre. Enfin, toi normalement, t'es... Ouais. Toi, normalement, tu es censé être dessus. T'as tapé des gamins. Eh non. Si. Oui, mais non. T'es censé être dessus, ça va. Oui, mais c'était en tant que quoi? Mercenaire. Et en tant que mercenaire, je n'ai été ni la même apparence. Vu que je ne porte pas mon masque. Ah. Sinel. Tu veux savoir quelque chose? Est-ce que tu veux savoir? Tu es KO. Tu as un beau katana. Moi, j'aime bien les katanas. Moi, je dis, il a un joli foie, il a de jolis poumons, il a un joli cerveau. Je pense que je vais revendre ça. Tu vois, Sinel, hein. Franchement. Un petit... Oh, ma main, ça, il est tombé. Il est tombé par terre. C'est dommage que tu perdes tes droits de MJ. Ce serait vraiment dommage. Mais non, parce que... Regarde, Externi, tu trouves un beau katana. Il y a une infirmière ici pour te couper tes organes. Au pire, je refais un perso, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange absolument pas de refaire un perso. Genre, il est un peu salé, non, mais écoute, je vais faire un perso. Attends. Ça me dérange pas du tout. Dans la machine à clonage, tu vois, je vais te porter en... Comment on appelle ça? En otage. Tu vas faire des clones de moi.
si tu veux. Combien de PV, combien de PV, Ciné? J'en ai 14. T'avais combien de base? 18. Putain. 14. 18, 18, c'est ce que j'ai avec trop d'élan. C'est quoi ces gens qui maxent leur HP? Moi, la force, force inarrêtable, moi ça donne des HP et des force. D'ailleurs, faut que j'édite ça. Ça se cumule en plus, ces conneries. Oh là là. Ah oui. Oh là là. Ouais, j'avoue, en plus, si tu fais un clone de moi, ce sera un clone. Tu viens de couper. Donc il aura 18 PV, ton clone. Non, mais c'est toi qui vas le jouer, ton clone. Ah, je vais jouer mon clone. Okay. Ouais, tu seras juste forcé d'être méchant. Tu seras plus merci. Mais... Ah, d'accord, mais dans ce cas, en fait, c'est complètement con parce que j'aurai moi qui sera mercenaire méchant et super-héros et j'aurai mon clone qui sera juste méchant. Putain, j'allais dire, je vais faire une partie demain, mais non, demain, je dois faire un commentaire. Si tu meurs, je te clone, mais si tu meurs pas et que t'es juste dans les pommes, je vais te laisser tranquille, je vais pas t'emmerder. Hein. Bah, je suis juste dans les pommes, bah après, c'est... vu que je suis à votre merci, en fait, quelqu'un peut me finir là. Il y a... non, oui, je vais te tomber avec l'infirmière et puis je vais te défoncer la gueule, voilà. Voilà, clairement, t'as juste à genre prendre ma tête, puis tu fais et c'est fini. Je t'ai déjà dit que j'adore les explosions. Et non, parce que là, théoriquement, il aura plus de chances de me cloner si je suis entier. Plutôt que si tu me démolis. Non, mais t'inquiète, on se connaît depuis un moment, Siv. Voilà. Combien ça donne main, et là, tu vois, j'ai eu la trim de 300 qui tombe dans ton téléphone. Et merde. c'est pas logique, ça donne. En fait, super force, c'est très fort parce que ça donne force, PV et dégâts. C'est théoriquement Siv, il serait capable de pour l'instant te laisser tranquille vu que il a fait plusieurs missions avec toi, mais potentiellement Nodachi pourrait se retrouver à te courser dans l'avenir. T'inquiète, tout va bien se passer. Mais genre ça va être, imagine, je suis dans ton groupe, c'est-à-dire que Siv doit te protéger et Nodachi doit te traquer. C'est-à-dire que la même personne doit faire deux choses en même temps. Au pire, je brouille les pistes. Hein. Je brouille les pistes. On fait un petit clone, on lui fait un petit lavage de cerveau. Allez, vas-y. Va le rendre à la police, tu te fais du fric, tout va bien. J'ai réussi à choper Mac Carnis. Il lui fout des couteaux, il faut un agro. Alors, il est où ton QG? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais ici? Mais qui je suis? Excarnis, viens faire un raid du Nexus. Un raid du Nexus? Ouais, un raid du Nexus. Ouais, la raid du Nexus, ouais. Donc c'est 6 points, quelle horreur. 6 points pour ça. 6 points pour des tests. C'est expérimental, vous en faites pas, qu'il disait. Ouais, bah t'inquiète, les expérimentations de poison, je les ai suivies, hein, t'inquiète. Clairement, expérimentation sur MJ, c'est 2 points bonus. Moi, vu comment j'ai pris cher avec le poison, je dirais 4 points bonus. Les gars, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est dit ici sera retenu, modifié et réparé.